السلام عليكم كمان معكم فاتح القيوة فاوندر تاع الجيرين اريوز سكول. مرحبا بكم معنا في هذا الميتاب. نبدو جوست اون انتروديكسيون لي جون اللي راهم جدد معنا ما كانوش معنا من قبل في الجروب. دونك الجروب الى ايتي كري عنده 3 زون فان 2016. ليدي سيتي انو les gens qui s'intéressent au langage art plus précisément ou l'analytique, la data science en général peuvent se rencontrer et avoir un lieu où on peut échanger les connaissances terrain-là. C'était donc à l'instar de ce qui se fait pratiquement à travers le monde. Donc chaque pratiquement chaque grande ville a le Youth Art Group. Ils font des meet-ups régulièrement et ils échangent. Donc, on a créé un groupe sur Alger donc pour promouvoir la discipline Alia et aussi échanger les connaissances. On a eu quelques meet-ups auparavant, pratiquement on a déroulé une à deux rencontres annuelles. Le groupe d'Asgher Deikber, donc on a pratiquement 1500 membres. Les 1500, il y a environ 700 à 800 personnes actives en poste. Donc c'est une moyenne, environ 60% de l'activité, mais les gens, le petit bémol, mais ils participent. Donc, on a juste un petit groupe, on échange, etc. Le reste, ils ne chauffent pas. Mais ce qu'on aimerait bien que les gens participent, c'est que les connaissances sont minimes. Donc, mais les gens sont experts là pour participer. C'est une information à peut-être, tu partages, postes, tu échanges, avec une question, tu la poses. Avec une réponse, tu réponds à une question. L'année passée, qu'on a donné un meet-up où on a fait un projet en commun. L'année dernière, on n'a pas fait de projet, mais on a préféré que le meet-up, c'est des présentations des membres qui vont présenter. Inch'Allah, pour l'année prochaine, donc, on va discuter à la. Les plans du groupe ADA, on chauffe qui fait le plan les aide tout le monde. Donc, Bala qui fait des formations, Bala qui fait des projets ensemble, Bala qui fait des informations. Et en même temps, j'aimerais bien tenir les meet-up qui sont d'ailleurs, tel que maintenant je suis à la fin. Parce que ma niche est sur Alger, donc généralement, le groupe c'est pour tout le monde. Je suis là, l'owner ou là, les modérateurs, vous mettez les déroulés d'initiative. Donc vous êtes des membres de tel groupe, ou les gens les remissent en fin d'année. Ils peuvent à tout moment proposer une rencontre à ce groupe. Donc pour commencer, on a dans l'agenda. Donc on va commencer par la présentation de Zindin Bouzenoun, Art for Everyday Lovers. واللي يفتح لنا شويه الباب باش لي جون اللي عندهم شويه ابريونسيون يبان لهم الامر شويه كومبليكي اكسيتيرا. السبيتش هذا راح يبين لكم باللي شاك بيرسون
En fait, tout dépend donc le skills les endo, la maturité analytique les endo, les connaissances les endo, que ce soit en programmation ou en analytique, il a un truc qui s'aide à l'apprentissage de l'art ou l'application de le langage art et les données. On passera après pour voir la data visualisation. La data vis بالنسبة للآر سي la chose on va dire qui distingue R des autres langages. Donc R depuis pratiquement sa création, beaucoup de librairies ont été créées pour permettre une bonne data visualisation. On passera après la détection d'anomalies, spécialement les séries temporelles. Il va nous montrer les différents algorithmes qui existent pour détecter les anomalies de les séries temporelles et comment on les traite. Après, on va voir c'est quoi un machine learning workflow. Donc, en général, quand on a un projet, on veut appliquer des techniques de machine learning. C'est quoi les étapes qu'il faut suivre? Je vous remercie. Après, ça sera du SNA, l'analyse donc de Social Network Analysis. Je vous remercie. Il va nous expliquer les concepts, c'est quoi un social network et comment l'analyser et quels sont les use cases qu'on peut appliquer à des techniques. Après, on va voir comment mettre en place un data product avec Plumber. Donc, Plumber, c'est comme le nom indique, plombier, c'est en fait un pipeline, c'est un API qui va nous permettre de partager les données. C'est très intéressant, spécialement pour les gens qui développent maintenant des dashboards via Shiny, où ils veulent le partager. IT ou d'autres systèmes. Généralement, le IT, il fait les API parce qu'ils font comment on peut faire le lien pour faciliter le travail. Le dernier speech, ça sera Mohamed Nader Jekidel, qui est un peu plus technique. Qui va nous parler de comment booster la performance d'un langage A en le couplant avec le langage C++. Puis on aura une pause déjeuner et l'après-midi, Inch'Allah, on aura un panel de discussion. On a des gens qui ont une expérience sur le domaine. Donc, je vais modérer la discussion. On va leur poser un peu des questions sur le parcours terrain. Et la discussion sera ouverte. Donc, vous pouvez vous aussi poser des questions. Le parcours professionnel terrain, qui fait ce qu'il faut, nous avons des data scientists. Et puis, on prendra quelques minutes pour discuter ensemble l'avenir du groupe. Donc, la maintenant, là, les comptes, LinkedIn, pardon. First, why we need to use the R language.
as you may know, in a data-driven world, every interaction has become a data point that is stored somewhere and used later for better decisions and get better insights. Making better use of customer data, for example, will help our business flourish, our customers stay happy, and more importantly, helping us stay proactive in our strategy. Wherever you find data, think of using the R language on it. R can be pretty good at doing data visualization, manipulation, and also the statistical analysis. And for everything else, there are more than 10,000 packages on RAM and other repositories that will help you get exactly what you want from your data. Not to mention that R has a strong community behind it that is willing to help you in your R learning journey. R is used in so many fields like finance, marketing, retail, sports, and so many others. So let's start show you why you should start using R once you get down. The first thing you usually do when you manipulate data is reading your data into the R environment. This is a trivial thing in R. Whatever your data is, R already have available and powerful and easy to use functions to read from whatever source of data you have. For example, R can read from databases, local files, websites, APIs, proprietary format files like SPSS, SAS, and so on. Let's go through the first example. Here, reading an Excel file. We can read an Excel file using the Base app, but I prefer the Read Excel package, which is part of the Tidyverse package, which is more convenient to use. We first install the Read Excel package, if we haven't already done so, and then we load it into our environment. Three common ways can be done to read our file into our environment. The first thing is selecting the Excel file and copying it, then passing as parameter clipboard to the read.table function. The second way is passing the file.choose function which to read Excel, which creates a window for us to choose the file we want to read. Or the final way is directly passing the path or the name of the file to the read Excel function. There are some other parameters like the path, which specifies the location of your file, the sheet, which specifies the index of your sheet file, the range, what you want to read from a file from where to where, the end marks to specify the maximum number of lines you want to read from your Excel file, and also the guess marks to tell the read Excel function how much lines to read before guessing the type of the columns. There are many other parameters, and usually the reading functions, the most important parameter is the path or the URL of where you want to read from, and then you can add other parameters if needed to get exactly what you want. So if you don't you don't have to remember by heart those parameters or the name of the functions. If you need something, just Google it. Then we move on to visualization using R. Three steps are recommended to get very insightful and speaking plots. The first thing in when doing visualization using R is imagine what your ideal plot will look like. What do you want to get in maybe an ideal environment?
to extract the useful information you want from your plot. Once you settle down on how your plot will look like, then try to create it using the different tools and powerful packages that the R language has. And you can iterate in this process. Once you get to some understanding, you can imagine other plots and then recreate them. And finally, once you have the right understanding and you extract the good insights from your data, you communicate it to your audience according to the jargon understandable by this audience. And this is very important. If you are communicating results to a technical person, then focus on technical things. If you are communicating your results to a business person, then focus more on the business side of your plot. Now we can move on to see talk more about the ggplot2 package, which is a very powerful package inside R. The philosophy behind ggplot2 package is dividing a plot into three parts. The first part is the data we want to feed our plot with. Usually it's a data frame, then aesthetics, where we can specify the x and y variables, the shape, size, color, etc., and all the details. And then the geometry, how what our plot will look like and the functions that we are using. For example, here we load the some code, we load the library ggplot2, and then we create some data, random data for sex and weight. For example, here, as you can see in the table below, the head shows that we have a different person with either male or female variables that have different weights. If we try to plot this data using the ggplot function, the first thing we want to do is create the ggplot object. To the ggplot function, we specify the data from where we are reading, which is here the weight data, as you can see. And then what is the x variable? This thing we specified on the aesthetics, as you can see, x equal the variable weight. And then the shape or the final result that we get depends on the final part, geometry, we add to this object. For example, the first one, a is plus geom area, will give us this full shape. The next one, A is geom density, will give us the density. We can see below the histogram or the cumulative function and other graphs too. This, for example, shows the power of ggplot. With one object, we can add as many functions as we want, and we will get the result we want just by adding one function at the end. Here also there is another example showing how we can combine the ggplot2 package with other packages, like here the gg extra package. The gg extra package, first we load the MPG data, which is available on R. And then we do some filtering on data to get exactly what we want from. So just consider this the data we are feeding to ggplot. We specify also here the final ggplot object we are building.
we specify in it our data, the x and y variables, which are here in the R statics, CTY and HWY. To it, we add two functions, which are the geom count, that sums up the number of occurrences of each data point in our graph, and also the geom smooth, which shows the general pattern that our plot will have. And finally, we add the wrap the all in the GG marginal function, specifying that the side plots will be a histogram of type histogram. As you can see, the result is so insightful plot. In just the 5 lines of code, we can see so many informations here. The geom smooth is showing us the general pattern. Here, the count, geom count is showing us the count for each data point. And on the side, each variable, the histogram of each variable. This shows how intuitive and simple it is to get powerful plots that will help us in our business. So if you are just starting with R, consider the many possibilities it has with visualization compared to maybe other tools like Excel. Maybe in the business environment, people mostly use the Excel tool. Compare how much time it will take to create such a graph in Excel, and also here you gain in automation. So result is just great. Now moving on to really familiarize you with R and eliminating maybe the fear you have about the different aspects that R can do. For example, here machine learning, for doing machine learning, I will tell you the 4 you don't need to that machine learning mastery website stated in the article about R. First, you don't need to understand everything, at least not right now. You do not need to know how the algorithms work in all the details. You do not need to be an R programmer, obviously. You do not need to be a machine learning expert. So don't compare yourself to maybe people who will talk in full technical details. Just running your R code would be an amazing first thing to have. But what you really need to is a strong will for learning. That's the first thing. The second thing is getting out of your comfort zone, because learning new things will maybe get you full of feeling of discomfort, and it's new terrain to you. So just be prepared to feel that way and continue your learning journey. Now we do a simple machine learning algorithm as an example to show you maybe how simple it is to do such a thing. We will use the library caret and then load the data iris. We'll divide our data set into 2 parts, 80% for training, and 20% that remains for validation. To get more a feeling about the data, we see the output variable, how much levels it has. Here we can see that it has 3 levels, that are Cetusa, Versicolor, and finally Virginica. And to really understand our variables, the input variables we have here for the data, here we have 4 input variables.
we plot that distribution to understand our data. This is a box plot for each of the input variables, sepal length, sepal width, and petal length and petal width. As you can see, they vary, each one has a different distribution. And we check how much occurrences of each output variable we have. We have for 40 occurrences of setosa of and 40 of versicolor and 40 of virginica. So they have the same number of occurrences. Then we move on to train our algorithm. For this algorithm, we are choosing linear decomposition analysis. The data set is the one we've constructed before. We will train species, which is the output variable, against the rest of the variables. We just make point, so the algorithm will understand that all the rest of the variables will be evaluated and will be used to get the output. For to really control the training, we used a method of cross validation with a tenfold cross validation and a metric and accuracy metric. Here, as you can see, you just those two variables are here, specified here. And then, maybe in four lines or in three lines of code, we've trained our machine learning algorithm. So this is maybe not magic. Everyone can do it. You cannot create maybe excuses for yourself to not learn how. It's simple, and it gets complicated as you as much as you want to go. To test our how our algorithms did, we use the predict function against the validation set. Here, we provide the training for it, and then the validation set. And then we use the confusion matrix and get table to see how it did against how it referenced each one of the validation matrix against the real neighbor. Here we see that for each type of setosa, they are 10, and the predicted was 10. So 100% accuracy. For versicolor also it's 100% accuracy, and virginica type the accuracy is 100%. This this is the end of the presentation. What I want you to remember from this presentation is not the code I just showed you, because internet is full of optimized and more refined code. But more importantly, I want you to start getting your hands dirty and start practicing R once you get home. You will have you will gain a lot of advantages from using it, optimizing your time, having intelligent solutions to your problem, and maybe gaining an automation for some tasks. Also, I don't want you to be a passive learner who is just maybe swallowing theoretical information and not making use of it. This is, I guarantee you, this is a very bad thing, because you can know so much things, but you are not making a real impact in your business or school or anywhere you are. Instead, as you progress in your learning journey, try to make use of what you have learned already. Try to stand out from your peers by showing your results to your boss or your teacher or anyone else. This is what
is about solving problems and getting solutions to a real day. Thank you. Shukran. Thank you. Il ne faut pas avoir peur. L'essentiel, c'est d'avoir une idée générale. Même le cas de Fahmoujkoul, c'est bien. C'est juste avoir une idée générale de ce qu'on peut faire avec A. Et comme les Raoulina, d'un début, donc, l'idée est qu'on a une idée générale, il y a des idées, on va vous engager dans l'apprentissage. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui et non. Le problème, c'est qu'on a fait pratiquement 40 minutes de repas. Donc, je préfère les questions la pause déjeuner ou le panel de discussion. Donc, pour les présentations. Mais là, j'ai une question, là, on pose un, Très bien. D'accord. Salam alaikum. Donc, moi, c'est Yassir Khacham. Bon, je vais parler en français, Zinedine va parler en anglais, moi, je vais parler en français. En fait, on va parler de choses que l'art rend très, très particulières, à savoir la visualisation interactive des données. Par interactivité, on peut entendre beaucoup de choses, d'accord ? Il faut savoir qu'on peut avoir un graphique sur lequel on peut, un graphique à barre, on va venir cliquer, sélectionner les barres qu'on veut visualiser, d'accord ? Ça, c'est de l'interactivité. On peut avoir une série temporelle représentée, d'accord ? Et venir zoomer sur une période précise. Ça, c'est aussi de l'interactivité, sur le graphique directement. Après, il y a d'autres formes d'interactivité, d'accord ? C'est, par exemple, on a un fichier de données très important, peu importe, dépendamment du cas dans lequel vous allez être. On peut avoir des données très volumineuses avec beaucoup de variables à représenter, beaucoup de croisements à faire. On est en train d'explorer, d'accord ? C'est ce que fait tout data scientist ou tout data analyst. Le sans étude. Ah, ok. Donc, par rapport à cela, on peut être amené à écrire un code donné, comme on est en train de voir avec Zendine sur. En utilisant ggplot, on peut faire des visualisations très intéressantes. Néanmoins, si on a beaucoup de croisements à faire, on ne va pas à chaque fois s'amuser à reprendre, copier-coller, changer les variables, d'accord ? C'est un peu répétitif. Et justement, R, avec le package ggplot, combiné avec Xiaomi qui est un package dédié à la création de web applications sous R, d'accord, nous permettent justement de répondre à ce genre de problématiques, d'accord. Et vous pouvez imaginer le gain en performance sur votre semaine de travail, d'accord, si vous allez automatiser quelque chose, vous allez dédier, comme on en parlait tout à l'heure, votre temps à votre réflexion, que vous soyez dans le domaine de la recherche académique, ou bien dans un domaine professionnel. Nous sommes tous confrontés à des contraintes de temps, d'accord ? Manipuler, traiter les données, les découvrir, les visualiser, créer des rapports, c'est des choses qui nous prennent beaucoup de temps. Et souvent, on est just. On a des deadlines, on arrive vraiment just, et là, on n'a même pas le temps de prendre du recul par rapport au rapport qu'on vient de sortir, d'accord ? Sachant qu'on va aller le présenter au top management.
Et là, en fait, on n'est pas en train de tirer la valeur ajoutée de notre expertise métier, d'accord? Si vous travaillez dans la pharma et que vous êtes un expert pharma, ou dans les télécoms, ben, c'est que vous avez une expertise dans ce domaine. Vous n'avez pas uniquement une expertise en data analytics ou data science, etc. Donc, c'est ce genre de, d'approche qui vont vous aider à améliorer considérablement votre performance dans vos travaux respectifs. OK? Alors, pour ce faire, donc, on va se baser sur ggplot et shiny, d'accord? Pour le premier type d'interactivité que j'ai abordé, d'accord? À savoir quand on a un graphique sur lequel on peut venir cliquer pour zoomer. Ça se fait avec gg, avec plutôt plotly, qui est un package complémentaire à ggplot, qui permet ça. On ne va pas le voir par rapport à une contrainte de temps. Donc, ce qu'on va voir, c'est rapidement, donc un aperçu, un overview du package DeepBlayer qui fait partie de la suite Tidyverse. On va voir ggplot2 qui fait également partie de la suite Tidyverse. On va voir un overview de Shiny d'une manière générale et particulièrement de Shiny Dashboard. À la fin, on va finir par un exemple où on va utiliser ggplot2 pour explorer un fichier contenant des données sur 600 films et avec... Expliquez-moi, c'est quoi la définition d'un package ou le tidyverse? D'accord. En fait, ce que vous êtes en train de voir ici, donc le tidyverse, qui apparaît en premier, ça n'est pas un package. D'accord, c'est une suite de packages. Tidyverse est composé d'un ensemble de packages qui vous permettent de couvrir l'ensemble du workflow d'un projet de data science. D'accord, allant de l'importation des données jusqu'à leur découverte, leur manipulation. Souvent, on va modifier nos données avant de faire des opérations de modélisation. D'accord, c'est pas que on importe un fichier, on ne va pas le garder en tant que tel. D'ailleurs, un data scientist passe 60 à 80% de son temps à travailler sur les données, d'accord? Depuis l'importation, visualisation, transformation avec DeepBlayer, etc. Donc, Tidyverse, c'est un ensemble de packages, d'accord? Tidyverse, il contient DeepBlayer, ggplot2, et d'autres Pure, et d'autres packages, d'accord? Il y a même Pure qui est un package dédié à la modélisation, qui fait partie de la suite Tidyverse. Alors, excusez la qualité de mes slides. Bon, c'est un travail qui a été fait il y a dans la nuit. Et donc, nous allons commencer avec DeepBlayer. DeepBlayer est une solution, est un package app qui nous permet de faire ce qu'on appelle le data wrangling, d'accord, de manipuler, de transformer nos données d'une manière très très puissante, d'accord. Qu'il a été mis, si vous voulez, sur CRAN, depuis qu'il est disponible, il a réellement changé la manière de travailler de beaucoup de statisticiens et data scientists. Comme je disais, il fait partie de la suite Tidyverse. Il sert à manipuler, transformer et résumer les données. Donc, ce qu'on va voir, ce sont les fonctions les plus importantes du package. Là, en fait, c'est très explicite. On va lire en première colonne des fonctions, des noms de fonctions, d'accord? Et leurs noms, en fait, sont très parlants parce qu'à partir du select, on comprend qu'il s'agit de choisir quelque chose. Bon, là, il s'agit de choisir quoi? On a une table qu'on vient d'importer, d'accord? Sauf que l'ensemble des colonnes ne nous intéresse pas. On va devoir faire un select pour choisir justement les colonnes et les variables qui nous intéressent. OK? Donc, ça, c'est en fait un aperçu du code R. Donc, on a le nom de notre fichier de données avec l'opérateur pipe et puis le select. Donc, au niveau du select, il ne faudrait pas, d'accord, mettre les noms des variables entre guillemets, pas comme ce qu'on faisait avec les méthodes disponibles dans RBase. Il faut séparer les différentes variables par des virgules, d'accord?
Après, il y a tout un tas de... Je vous invite vivement à voir Nicky Ryer Cheat Sheet. Ok? C'est assez complet. Vous écrivez sur Google Nicky Ryer Cheat Sheet. Ça va vous emmener dans un PDF assez complet. Ou ça vous montrera que pour le select, il y a aussi d'autres fonctions qu'on peut intégrer dans le select. Comme Contains, par exemple. On veut... on a une série de voilà, 200-300 variables ou colonnes. Dont 50 qui commence par C, je sais pas, par sales. Sales, on veut les variables qui contiennent sales. Là, on va mettre un sales, un contains à l'intérieur du select. Ok? Entre guillemets, c'est une chaîne de caractères, on va écrire sales. Alors, pour le deuxième verbe ou la deuxième fonction, c'est le filter. Comme son nom l'indique, ça permet de filtrer. Contrairement au select où on travaillait sur des colonnes, le filter permet de travailler sur des observations ou des lignes. D'accord ? Donc, grâce au filter, nous allons pouvoir sélectionner des observations en se basant sur des conditions. D'accord ? On a une colonne âge, on fait data et filter par âge, enfin, filtre où âge est supérieur ou inférieur à 30 ans, par exemple. Ok ? On peut combiner plusieurs conditions en utilisant des opérateurs logiques. Ça, c'est un et. D'accord ? Un premier critère de filtre et un deuxième critère. Ok ? On a le ou ici. Ok ? Ça, c'est des opérateurs booléens qui renvoient donc soit true or false. Vrai ou faux. D'accord ? On a l'inférieur, le supérieur. Faites très attention à ce niveau-là dans DeepLayer. Le égal est exprimé sous forme de deux fois le symbole égal, comme vous êtes en train de voir ici. Si vous mettez un seul égal, ben, vous allez avoir une erreur en retour. Alors, la troisième fonction, le troisième verbe, c'est arrange. Arrange, en fait, permet de trier. Là, on est en train de trier votre fichier en se basant sur la variable. Par défaut, alors il va trier d'une manière croissante. Si on veut que ce soit d'une manière décroissante, on va rajouter à l'intérieur le nom de la variable dans la fonction DESC pour descendant. Ok ? Le fameux summarize. Qu'est-ce qu'on fait des données ? Avant de commencer à modéliser, etc., etc. On veut comprendre les données, on veut comprendre les tendances, d'accord, qui sont cachées. Ok ? Data science, grosso modo, enfin même la data analytics, c'est la découverte des connaissances qui sont cachées, qui sont invisibles à l'œil nu. D'accord ? On a une base de données, on ne peut pas la parcourir visuellement et tirer des connaissances très importantes. Donc le summarize nous permet, à partir de notre fichier, de venir le décrire avec des indicateurs statistiques, soit des indicateurs de la tendance centrale ou relatifs à la dispersion, etc. Donc on peut calculer des moyennes, des écarts-types, des médianes, des Q1, Q3, etc. Ok ? Il y a un dernier verbe très important qui est utilisé en combinaison avec les autres verbes. Il est très 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 important, c'est le group by. Le group by, comme son nom l'indique, c'est très explicite. Ça permet de grouper par une variable donnée. D'accord ? Donc le group by ne va pas se faire avec une variable numérique, on est d'accord. Si on a les salaires ou le PIB ou l'âge, ok, le poids, etc., on ne peut pas faire un group by par une variable numérique. Ça reste plutôt une variable catégorielle, bien facteur. Ok ? Par le genre ou le sexe homme-femme, on peut grouper, effectivement. D'accord ? Et dans ce cas précis, si notre bar 1 est le genre humain, donc on est femme, ben on va avoir, grosso modo, une seule colonne, d'accord ? Enfin, deux colonnes, où la première, c'est homme et femme, enfin, le genre, avec comme ligne homme et femme, et la deuxième colonne, c'est celle qu'on est en train de créer ici. C'est la moyenne. Ok, de var 2, qui peut être l'âge, par exemple. Auquel cas, on va avoir
un tableau à double entrée avec deux colonnes et deux lignes. Bon, je vous invite vivement à voir la LibreOffice Cheat Sheet qui est très très riche. Je vais écrire ça en fait comme ça se prononce. Et Tech Cheat Sheet. Ben c'est ici, c'est écrit ici, tiens. Deployer, c'est cheat. Ok? Donc là, c'était un overview. Ce qu'on va faire, on prend un code bien précis, d'accord? Un code bien précis qui nous montre aussi qu'on a la possibilité de combiner les différents verbes qu'on était en train de voir ensemble. Okay. Dans une même opération. Parce qu'on peut effectivement avoir besoin de sélectionner des colonnes, sélectionner ou filtrer des lignes en même temps, et puis créer au passage une nouvelle variable, okay, qui sera représentée sous forme d'une fonction de deux variables existantes. Okay. Et on peut vouloir grouper par quelque chose. Dans cet exemple, c'est le genre. Et enfin, résumer ou summarize. Ok? Là, ce qu'on est en train de faire, on prend un fichier qui s'appelle body. En fait, c'est assez simple. Ça s'appelle movies. Ça, c'est en fait, c'est plusieurs. C'est un fichier contenant 651 films, donc lignes, ok, décrit par 34 caractéristiques ou variables. Ok. Quand on le regarde, il est comme ça, on peut voir les variables. Donc on a le titre, on a différents types de classement de rating, ok. On a des caractéristiques numériques, à savoir audience. Les plus importants, c'est audience, le score de l'audience, le score des critiques, comme on est en train de voir ici. Après, on a des caractéristiques catégorielles qui ne sont pas numériques. Ils vont nous aider à décrire notre fichier de données, notamment les studios qui ont produit le genre de film. D'accord? Et ce qu'on va faire, en fait, c'est différents essais pour voir quelle modification va subir ce fichier. Alors, tac, 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 on va commencer avec une seule opération. Donc, bon, ça c'est le... Donc là, on est en train de créer une nouvelle table qui s'appelle Test Table, qui a été créée juste pour une fin de test. Donc elle prend comme valeur movies, donc notre fichier qu'on était en train de visualiser, et on est en train de dire à R de sélectionner à partir de movies uniquement les variables ou les colonnes title, genre, runtime, audience score et critics score. D'accord? Ça c'est l'opération assez simple. On lance ça. Là, l'opération a été faite, la table a été créée ici. D'accord? On peut venir voir carrément en cliquant dessus ou bien dans la console en mettant View Test Table. On peut voir qu'il y a uniquement les 5 colonnes qu'on a choisies et non pas les 35 qui étaient disponibles depuis le début. Ok? On va juste compliquer un peu la chose en rajoutant une opération. D'accord? Là, on est en train de demander à SQL de sélectionner à partir du movies les 5 colonnes et puis de créer une nouvelle colonne. D'accord? Il faut faire très attention. Si on enlève ici ce signe-là, d'accord? Ça s'appelle le pipe, opérateur de piping.
Ben, en fait, il va nous renvoyer une erreur parce que, ou bien il va calculer, enfin, il va rendre une erreur à coup sûr ici. D'accord? Expliquez-nous, le pipe, c'est le lien entre l'opération précédente et l'opération suivante. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut écrire cette première opération de la manière suivante. Et ce sera la même chose. OK? Test table. Donc elle prend, en fait c'est filter, ah select, select, à partir de data qui vont être modifiés. Ok? Et là on choisit directement les modes d'école. Hein. Donc je copie ce qu'on avait sélectionné précédemment. Et tac. On les met ici. Ça, c'est la même opération, en fait. D'accord? Donc, le pipe, on l'utilise quand on fait sortir, si vous voulez, le nom du fichier séparément et chaque opération séparément. L'utiliser rend la lecture de votre code plus simple. D'accord? Il y a un proverbe qui dit, qui est partagé sur la page. Au début, quand je commence à coder, quand j'écris un code, il n'y a que Dieu et moi-même qui sachons à quoi ça sert. Après une semaine, il n'y a que Dieu qui le sait. Donc, pour votre bien, utilisez plutôt cette manière de coder, d'utiliser le DeepWire, plutôt que celle-là. D'accord ? C'est plus lisible. On sait qu'après chaque pipe, il y a un nouveau verbe, une nouvelle fonction qui va arriver. OK ? Donc là, on est en train de créer une nouvelle colonne avec le verbe mutate. Mutate, rappelez-vous, on l'utilise pour créer une nouvelle colonne qui est égale à une fonction de deux colonnes ou trois ou quatre déjà existantes dans le fichier. Là, en l'occurrence, on est en train de créer average score. On a estimé que ça pourrait être intéressant pour nous que d'avoir la moyenne des deux scores, celui des critiques et celui de l'audience. D'accord ? Bon, on a fait mutate. Nom de la colonne, quand il va s'afficher après création, est égal, parenthèse par rapport à la formule, donc somme des deux sur deux, ça fait le moyen. OK? Et là, tac! Effectivement, il y a six variables en bas, et les résultats sont en train de s'afficher. D'accord? On peut voir ici que average score a été créé comme on l'a demandé. D'accord? On peut rajouter encore d'autres opérations, d'accord ? On peut filtrer sur deux critères. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici ? On maintient les mêmes opérations qu'on a faites auparavant. On rajoute un filtre, d'accord ? On veut uniquement les lignes ou les films, d'accord ? Où le score des audiences est inférieur à 50, sachant que c'est des scores allant de 0 à 100. Et, bon, le end, deuxième critère. Le runtime, on veut les films qui ont été diffusés moins de 100 fois. OK ? Voilà. Là, en fait, si on fait DIM, on a 102 films qui répondent à ces critères. Ici, 102 films qui répondent aux critères qu'on a appliqués, aux deux critères ensemble qu'on a appliqués. Ça, c'était pour vous montrer la logique donc, de DeepWire. Enfin, on va retenir une cinquième opération qui va être summarize. Okay, on va décrire à l'aide d'une moyenne des données que nous avons. Donc, ce qu'on fait, on va grouper. Regardez bien cette partie-là. On va grouper by genre. Donc, il y a comédie, film d'animation, horreur, etc. Et on va résumer ou summarize en créant deux moyennes, ok? La moyenne du score d'audience et la moyenne du... Ah, oups, that's only. Du coup, là, je prends... Ok, par rapport aux deux scores, on est en train de créer une moyenne. Si on veut visualiser maintenant test table, il faut faire attention, il faut nommer différemment. Là, j'ai utilisé le même nom
pour l'ensemble des opérations. Ça veut dire que là, quand j'ai attribué ces opérations à la valeur testable, ça a écrasé ce que j'ai fait auparavant avec le même nom. D'accord ? Donc, un bon naming aurait été testable 1 à 5, parce qu'on a fait 5 étapes. Ok ? Tac. Donc là, on est en train de visualiser. Ce que j'ai fait, j'ai juste demandé à voir la table à quoi elle ressemble. Ben, effectivement, c'est une table qui contient deux colonnes qu'on a créées, à savoir la moyenne du score des audiences et la moyenne du score des critiques. Ok ? Par genre. Parce qu'on avait groupé, rappelez-vous, on avait utilisé ici le groupe par genre. Ça nous renvoie quelque chose qui ressemble à ça. D'accord ? Voilà, ça c'était pour DeepLawyer, une petite introduction. Donc ça c'est les verbes les plus importants, les 6 verbes, ok, select, filter, mutate, arrange, summarize et group by. Mais consultez le cheat sheet de DeepLawyer, vous allez avoir beaucoup plus de fonctions qui sont complémentaires à chacune de ces 6 fonctions. Bon, 5 premières, ça parle de group by. Voilà, excusez-moi, je prends juste le chargeur. Après là, ce qu'on va voir maintenant, c'est le ggplot. Ouais, ok. Bon, on va passer à Shiny directement. Shiny, qu'est-ce que Shiny? Donc c'est un package, ok, qui permet de créer des applications web. Vous vous posez la question, tiens, pour créer une application web, on doit maîtriser HTML, CSS, JavaScript. Mais là, en fait, c'est Shiny joue le rôle d'intermédiaire entre vous et HTML, CSS et JavaScript. C'est très particulier à R, c'est très très pratique, ça vous permet, en fait, je vais donner un exemple business. On a parlé des rapports qu'on met une semaine pour sortir, d'accord ? Et à la fin, on va les sortir sous format PDF, s'il vous plaît, ou PPT encore. On va aller les présenter. Ben, souvent, une présentation de rapport suscite ou génère des discussions, des questions, etc. Donc, le management peut vouloir voir d'autres croisements, etc. Mais dans ce cas, vous avez un PDF qui n'est pas dynamique. D'accord ? Mais avec Shiny, vous allez pouvoir diffuser les résultats de vos rapports, d'accord ? Que vous soyez dans le monde académique ou celui professionnel, d'une manière interactive, d'accord ? Ou si la personne que vous avez face à vous se pose la question de savoir, tiens, si on rajoutait tel ou tel croisement, là, vous allez le faire de suite. Okay ? Vous n'allez pas mettre une semaine pour redescendre à votre bureau, travailler, etc., générer un nouveau PDF, reprendre rendez-vous et revenir. Okay ? Donc ça révolutionne le reporting dans l'entreprise et dans le monde de l'académique. Okay. Donc, dites-vous que vous n'avez pas à maîtriser HTML, CSS et JavaScript, mais vous allez quand même pouvoir créer des applications web et des tables de bord web. Shiny, en fait, c'est une application Shiny. C'est une application qui se compose de deux parties. Une partie interface utilisateur, naturellement, parce qu'il y a des utilisateurs web qui vont se connecter sur l'application. Ils doivent bien voir des choses, les éléments, etc. Ça, c'est la partie UI pour User Interface. OK. Il y a une deuxième partie, c'est la partie serveur, naturellement. Parce que dans le user interface, l'utilisateur va avoir à faire des opérations. Par exemple, il y aura des checkbox qu'il va devoir checker. Il y aura des listes déroulantes dans lesquelles il va choisir des variables. Donc, à chaque fois qu'il fait une opération pareille, d'accord, cette opération, c'est un input.
On est d'accord. L'input va aller quelque part, parce que lui, quand il fait l'opération, il attend quelque chose en retour. D'accord. Donc l'input va aller dans une fonction serveur, ok, qui va renvoyer un output. Et l'output va s'afficher à nouveau dans l'endroit que vous avez choisi pour les outputs dans l'application. C'est très personnalisable. Donc ça c'est la partie user interface, ça c'est la partie server. Après pour appeler les deux, bon il y a une fonction dans Shiny, ça s'appelle Shiny A. On met les deux, ok. Sinon, on peut ne pas appeler le User Interface UI, on peut l'appeler UI 10 ou... OK. Mais dans ce cas, il faudra, dans la fonction où on appelle le User Interface et le serveur, écrire UI égal à le nom que vous avez donné à... OK. Pareil pour serveur. Si vous avez utilisé serveur 5, il faudrait ici mettre serveur égal à serveur 5. OK. Donc ça c'est le minimum syndical, ok. Si on lance ce code là, le 1, le 2 ou le 3, on va avoir une application utile. Mais ce sera une application quand même, ok. La génie, bon, ce qu'il faudrait savoir c'est que Shiny Dashboard est un package indépendant, d'accord, un package à part entière que vous allez devoir installer sur R dans votre environnement de travail et vous allez devoir charger à chaque fois indépendamment de Shiny, d'accord. Ils ressemblent beaucoup à Shiny, ils ont la même logique de fonctionnement, ok, celle que j'étais en train de décrire dans le user interface. L'utilisateur va faire des opérations qui sont considérées comme étant des inputs, d'accord. Il choisit des choses qui sont des inputs pour votre fonction serveur. Et votre fonction serveur va renvoyer des outputs. C'est la même logique de fonctionnement. OK. Donc, alors, on va faire un focus sur la partie user interface. Alors, donc le user interface, une fois on ouvre, enfin, on écrit la fonction to read page, on ouvre notre parenthèse, d'accord. Elle s'ouvre ici, elle se referme ici. Là, il faut être un peu, enfin, pas un peu, beaucoup, voire très minutieux, dans le détail, parce que vous allez vous perdre une fois vous allez commencer à mettre les inputs et les outputs à l'intérieur. D'accord. Mais c'est simple, il faudrait commencer avec des exemples assez basiques. Donc là, ce qu'on a, on est en train de dire que nous avons différentes formes de visualisation qui sont déjà prêts dans Shiny, d'accord. On a le fluid draw qui ressemble à ça, ok, avec des colonnes qu'on peut insérer. On a flow layout, ça ressemble à ça. Automatiquement, si vous allez mettre un graphique et qu'il n'y aura pas suffisamment d'espace, ça va descendre ici. Pour ceux qui connaissent le CSS, ça c'est l'équivalent du flex display. Il y a le split, il y a le sidebar layout. Moi personnellement je travaille beaucoup avec le sidebar layout car on va avoir une barre latérale dans laquelle on peut mettre des inputs, des listes déroulantes, etc. Ok. Et ici on va avoir les résultats. On a un split layout, ça va être divisé en deux, on vient en G2. Vertical layout, on va avoir un affichage vertical comme ici. Mais c'est au choix, d'accord. Quand on écrit la partie user interface, on ne met pas tout cela. On choisit un mode d'affichage souhaité pour l'application, d'accord. C'est vraiment au choix. Et dépendamment plutôt de l'usage, ok. Alors, toujours dans la partie user interface, vous voyez à chaque fois qu'il y a la fonction fluid page qui se met, ok, pour la mettre. On va avoir des inputs et des outputs, d'accord. Les layouts, ça va représenter des inputs. Comment introduire des inputs? Ça va être à travers des widgets, d'accord, des fonctions qui vont permettre à l'utilisateur d'introduire des inputs, des informations de vous.
de vous dire des choses, de vous demander plutôt des choses. D'accord? C'est une requête qu'il est en train de lancer. Là, les widgets qu'on peut avoir, c'est les mêmes qu'on a dans HTML. On va avoir le bouton, une action, on clique dessus, on lance. OK? On peut introduire des données temporelles. Donc, une plage de temps, 2A. OK? On a le radio bouton, ce qui permet de sélectionner une option parmi trois. Le select box permet de choisir une option ou bien une variable carrément. D'accord? Le check box dont on parlait tout à l'heure, on peut avoir le single comme le true. Où on a plusieurs check box qu'on peut cocher, tous ou un seul. Ça, c'est des exemples, mais en fait, pour voir comment sont écrits ces fonctions-là, parce que ça, c'est des fonctions. OK? À chaque fois, ici, on va écrire, on veut un action button. On écrit action button, on ouvre une parenthèse, c'est une fonction parentière. Elle va avoir comme composante première un ID, un input ID. Donc, vous allez commencer à écrire dans votre input ID après avoir ouvert une parenthèse, ou n'importe laquelle de ces fonctions. Vous allez voir que R va vous compléter. Vous écrivez input, il vous propose input ID. Vous cliquez sur entrée, vous ouvrez des guillemets, vous mettez un ID qui vous parle, qui est du sens. Okay? Si vous êtes en train de sélectionner des variables numériques, vous écrivez par exemple numérique ou var numérique, etc. Mais on va voir un exemple, ce sera plus parlant. Alors. Comme il y a un input, on est toujours dans la partie user interface, mais on doit définir où les outputs doivent s'afficher. On est d'accord, dans l'application. Et c'est dans cette partie-là qu'on va définir où l'output doit s'afficher. D'accord? Souvent à l'aide de fonctions qui, dépendamment de ce qu'on est en train de faire, peuvent être plot output. D'accord? Si dans serveur on va utiliser ggplot pour sortir un graphique, dans la partie output de user interface, on va utiliser le plot output qui aura pas un input ID comme l'input, mais il aura quoi? Un output ID. C'est logique. D'accord? On peut voir après, je vous invite également à voir le Shiny Cheat Sheet qui est juste ici. C'est vraiment assez intéressant et assez complet. Ça vous décrit l'ensemble des. D'accord? Là, c'est ce qu'on était en train de voir, les différentes formes de panneaux, de layouts plutôt. D'accord? Ça vous donne les structures de base. Et ça vous dit l'ensemble des fonctions, des widgets qu'on est en train de voir. Action, checkbox, etc. Alors, là on va voir la partie serveur rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la partie serveur, vous allez commencer toutes vos fonctions avec l'expression output. D'accord? Si vous avez un tableau, vous allez commencer par output. Si vous voulez renvoyer un graphique, vous commencez par output, etc. Ici, vous allez mettre ce qu'on était en train de voir ici, l'ID de l'output. D'accord? Donc plot output, supposons qu'on a un scatter plot. On va mettre comme premier argument de cette fonction ID input output ID est égal à scatterplot qu'on doit retrouver juste ici dans le serveur. D'accord? On est en train de dire au serveur là, il faudrait ça va être un output de type plot render plot, d'accord, qui a comme ID celui du plot output. D'accord? Après, on écrit notre fonction ggplot de la même manière. Zendin disait que ggplot, pour plotter quelque chose, le code est composé de trois parties. D'accord? Les data, asterisk, et la fonction de forme. OK? Le géant. Donc là, en fait, c'est un scatterplot. Géant pointe entre deux variables numériques, toutes les deux, c'est ça le scatterplot. OK? Et par contre, on ne va pas écrire ici
le nom d'une variable. Ok? Parce qu'à un moment donné, on a proposé à l'utilisateur une input select, donc une liste déroulante, et qu'il écrira, il va avoir une liste de variables. Lui, il va choisir. Nous, en fait, dans l'interface utilisateur, on va lui dire choisir X. Il aura une liste. Il va choisir X, juste en dessous, il aura choisir Y. D'accord? Et il va choisir Y, et automatiquement, les inputs TAO vont être envoyés ici à la fonction serveur, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'accord? La fonction serveur va calculer à partir de ce qu'il a choisi comme variable, le ggplot, enfin le scatterplot. D'accord? C'est ça la logique de chaque inputs. Là, on peut avoir un deuxième output sous forme d'une table. D'accord? Soit on utilise le render table, soit on utilise. Ça c'est une table, donc on l'a appelé filter table, d'accord? Parce qu'on a vu des deployers, ce qu'on peut faire avec pour transformer les données. Là on est en train de, à partir du fichier movies, de sélectionner un input X. Vous allez me dire, vous allez avoir un fichier qui contient une seule variable. Non, pas forcément, parce que dans input X, d'accord, qu'on avait vu plus haut, dans la partie UI, ok, on a un argument dans le select input qui s'appelle multiple, qui est booléen, qui peut prendre true en France. Si on met true, ce sera une sélection multiple. Donc l'utilisateur, quand il va cliquer sur la liste de demandes, il aura le choix ou la possibilité de choisir plusieurs variables, ce qui sera plus logique, parce qu'on ne va pas prendre faire un select pour prendre uniquement une seule variable. Ok. À partir de cela, de ce qu'on a sélectionné, on veut filtrer par forme. Tout à l'heure, on avait filtré dans notre exemple deux conditions, le score des audiences inférieur à 50 et le nombre de diffusions inférieur à 100. D'accord? Ça, c'est des critères qui nous parlent, sinon j'ai vos raisons. Mais ici, là, ça va être la même chose en fait. Sauf qu'on est en train de donner à l'utilisateur la possibilité de choisir lui-même par rapport à quel critère il veut filtrer. C'est ça la révolution de chaîne, d'accord, et de l'interactivité. Vous imaginez le temps que ça vous fait gagner si vous aviez à faire un filtre pour chacune des 35 variables, enfin, supposons qu'il y en a 10 qui aient du sens. D'accord? Donc à ce niveau-là, l'utilisateur va choisir son filtre. Et il va avoir un visuel d'ailleurs qui lui dit choisissez une variable qu'on filtre. D'accord? Et ici, choisissez, là on est en train de voir new value. Il y a parmi les inputs qu'on peut utiliser dans la UI, User Interface, il y a une fonction qui s'appelle numeric value. Numeric value, ça permet à l'utilisateur d'entrer une valeur numérique. D'accord? On peut définir la plage de 1 jusqu'à 1000, d'accord? On peut ne pas définir nécessairement ça. Mais lui, en tout cas, il va avoir un afficheur qui lui dit introduire une valeur numérique. Ok? Mais on lui précisera, bien sûr, on peut mettre du texte. Mais ça va être pour le filtre. Il doit le savoir. Donc, il va choisir une variable et la valeur du filtre. Ok? Ça, c'est le principe. Après, juste pour afficher. Ben, on va reprendre le nom de la variable A de la table, de la nouvelle table, qu'on va afficher ici. Là, il me manque une parenthèse. C'est 1000. Ok. Bon, alors, ce que je vous propose, voyez bien cela. D'accord? C'est censé être un exemple, c'est une application assez complète. Enfin, qui est renseigné plus ou moins, d'accord? Et regardez bien le code couleur. Donc il y a la partie user interface, il y a la partie server, ok? Donc on a le dashboard page, ok? Là on devrait rajouter fluid page, mais bon, ça devrait marcher. On a trois éléments dans le dashboard. On a le header, c'est la partie supérieure dans laquelle le titre ou le nom de l'application va venir arriver.
on a le sidebar, la barre latérale, d'accord. On a le body, comme dans le HTML, le corps de l'application, ok. Dans sidebar, on va définir nos inputs. On est en train de définir deux inputs, d'accord. Slider input. Bon, excusez-moi, je peux faire un truc. Select input. Ok? Là, on est en train de sélectionner une variable. On est en train de sélectionner, de demander à l'utilisateur de sélectionner une variable. Okay? On lui a donné un ID, un input ID qui s'appelle var. Okay? Où est-ce qu'on est en train de récupérer var ici? On est en train de le récupérer ici. D'accord? Dans la fonction ggplot. Après, on a rajouté un deuxième input qui est un checkbox input. Donc il va cocher ou décocher. D'accord? Ça prend aussi un input ID qui s'appelle check. Ok, et ça prend un label, ça c'est ce que voit l'utilisateur. D'accord, il voit que c'est écrit cocher pour changer de graphe. Donc on est en train de lui proposer de manière interactive avec un presse bouton deux graphiques différents. Value est égal à false, ça veut dire par défaut c'est pas coché. Ok, ça c'est les outputs. D'accord, c'est comme je disais la partie output de l'interface utilisateur. Donc, dashboard body, box, c'est juste un encadré qui va s'afficher dans la partie output de l'application. D'accord? Plot output. Ok? Parce qu'on veut, on veut plotter ici. Output ID, c'est plot. Plot, il revient où? Il revient ici. D'accord? Ça, c'est toute la logique de Shiny. D'accord? Ces éléments-là, il faut les avoir. Vous ne pourriez pas lancer l'application Shiny qui ait du sens. Sans avoir en fait, des inputs, okay, des outputs et une fonction. Okay, qui sort des outputs en traitant les inputs. Ok, mais je voudrais vous montrer rapidement un exemple sous R, je le lance. C'est plus pratique, ça permet de visualiser. Là, c'est exactement. Enfin, c'est une application que je voulais qu'on descende ensemble, mais là, par hypothèse, pour la raison du temps, on ne pourra pas. Mais c'est le même principe que ce qu'on était en train de dire. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On offre la possibilité à l'utilisateur de choisir de visualiser des graphiques pour deux variables numériques. Donc, il va devoir choisir le X, choisir le Y. À partir du même fichier, on prend le score des critiques, on prend le score des audiences, d'accord. En temps réel, on est en train de voir que la densité de Y et de X sont en train de changer, d'accord, dépendamment de ce qu'on met comme valeur. Nous offrons la possibilité de changer de graphe en cliquant. On fait ça, tac. Ah, bon, là, il y a une petite erreur, mais on est censé avoir un box plot. X2 catégorie. X. Ouais, pour avoir un bon spot. Ouais, c'est plus logique. Mais on a ici, je pense. On a la possibilité, vous savez, dans ggplot, pour chaque type de graphique, il y a une fonction qui s'appelle facet. Facet qui permet de diviser le graphique que l'on a. C'est comme group by, d'accord? Dans les tableaux. Facettes dans les graphiques, ça permet de vous afficher. Si vous mettez facettes par genre, par exemple, ça vous affiche deux graphiques. Un pour les hommes et un autre pour les femmes. Si vous mettez par studio, ça vous affichera autant qu'il y a le studio de production de films. D'accord? Donc là, si on met les genres des films, on va voir rapidement ça.
Donc là, on a document cadre, on a horreur, animation, etc. C'est valable pour les densités, on peut voir les densités pour les croisements. De la même manière, bien on va avoir dans l'URSS la possibilité d'utiliser, de visualiser des variables catégorielles, d'accord. Donc on va venir choisir, est-ce que oui ou non le film apparaît dans le top 200 du box office. Ça apparaît ici. Donc, on voit que 600, presque 50 films n'apparaissent pas dans le top 200. Après, on a également la possibilité de venir diviser cela par le biais de plusieurs autres variables. Et enfin, un croisement d'une variable numérique avec une catégorielle où on peut afficher le box plot ici. Ok, critique des scores par si oui ou non le film s'est affiché dans le top 200 du box office. On peut toujours venir créer sur facette et choisir le genre ou toute autre variable qui permet effectivement. Alors, avec ça, c'est maintenant bien. Les Andoui, on peut prendre une ou la deux questions. Ouais. Les Andoui. Si vous avez des questions. Juste une question. L'intégration du code de Shaibi, est-ce qu'on aide pour le dépassement existe? C'est-à-dire celui qui fait le code de Shaibi? Oui, actuellement. C'est... Mais après, si on veut intégrer ce code dans un site internet, alors ça sera le travail de Yandes. Non, il faut savoir que vous avez la possibilité de plusieurs manières d'héberger votre application. D'accord? Si, dépendamment de son usage, si elle est à usage interne dans votre entreprise, si elle est destinée à commercialiser, donc dépendamment de tous ces paramètres, il vous faudra soit une version serveur Shaibi, d'accord, payante, ou bien il y a des solutions gratuites qui permettent également de faire Shaibi Proxy, Shaibi App, qui est un site web qui vous permet d'héberger. Alors, en mode gratuit, jusqu'à 5 applications pour un nombre d'heures précis d'utilisation, etc. Et vous pouvez générer un lien web et la diffuser. Vous pouvez même instaurer, enfin mettre en place une authentification. Mais ça commence à partir du deuxième mode qui est payé, donc je pense, à 9 ou 10 dollars le jour. C'était pas pour un portage. D'abord, c'est la même question. Il y a déjà. Voilà, très bien. Merci. Hamza, tfadda. So hi, my name is Hamza Sahdi, I'm a data scientist at GZ. Our talk today will be about outliers detection in crime cities. So our agenda will be for our talk today will be outliers, what are they, outliers in crime cities, and what data we are going to use. Plot and visualize these anomalies in crime cities data. Explore different anomalies detection algorithms. I'm going to talk just about two, and there is many others. And how to deal with those outliers. Please bear in mind that we are only use few algorithms. This is not a complete list of algorithms that exist out there. Okay. So what are the outliers? Outliers are extreme values that deviate from other observation that doesn't follow the general pattern in our dataset. Basically, they are nightmares for data scientists. Outliers are represented in two types: the real ones and the fake ones. The real ones occur in real estate, like fraudulent transactions, finance, people with extreme high usage of data, telecom industry, and clients with millions of incomes, because they are few in our data set. And one with error, like a client with detecting client with 200 years old, which is impossible.
detecting extreme high temperature in phones or any industry. Regardless of the presence of outliers, each case has to be handled with care and also with special treatment. So also we have many valid outliers that these outliers only occur in case of single variables and can be easily detected using bar plots, because they are defined by their value are more than three times standard deviation. So we use box plot and outliers with multivariate. This is just an example plot. These outliers can't be detected if we use univariate for each. For example, if we took outliers of variable 2, we can detect them since they are in the middles. And the same issue with variable 1. We can detect them if they are in the middles. We have to use both variable 1 and variable 2 to detect these outliers. Okay. Time series and now what? In some field, when time is an important thing to work with, detecting outliers may be a tricky one because the important and the impact of times. So, in the past few years, some algorithms were developed to detect these outliers and to handle them. Starting with STL plus IQR and Twitter plus GSD. This we are going to see after, and slide window based forecasting method and exponential smoothing. For this case, we have two methods that work together. The first, we have to see the seasonality and seasonality and trends. Then after we calculate the distance between outliers and this cluster. Same for Twitter. But the difference between these two algorithms, some take in consideration seasonality and others take in consideration trends. And for sliding windows for the base forecast, they take samples with time windows. Each time they take 4 and they move, they take 4 and try to predict the next value. And exponential smoothing works the same as simple smoothing, but using an exponential function. In our case, we are going to use Google Trend Search for the word vote between 2004 and 2019 in Algeria. So we use both the two above algorithm. So how we get our data? We use library gTrends and library Pydiverse that our friend just explained. The gTrend function will search for every hit for the word vote. You can use any word of your choice. I select votes to see the political issues here in Algeria and select it from the web. You can use maybe YouTube, maybe blogs, etc. Geofiles, they are in Deezer, Algeria, and time from 2004 till 2019 till today. Not today, as long. I use Mutate to create date from 2004 till 2019 by date. And make all this data in a table format. You can ask me a question after about the function of the code. Okay, and here we get our data. Each observation are by month. January 2004, etc. We have our hits: 0 search, 41 search, 35, etc. And these data are relevant for us. Okay, so here, detection. With R, detection outliers using anomalies is very simple and straightforward. So, we just to load our data, and it has to be in table format as we shown earlier, and we pipe it to time decomposition. This function, what it does is to calculate the trend of your data and trend and also seasonality.
we have to select your method, which algorithm we're going to use, STL or Twitter. STL is to calculate if you have data with trends and less seasonality. If seasonality doesn't matter for you, you can use STL. Otherwise, you have to use Twitter. And these parameters are high performance. You have to select by yourself and see the difference between 1 year, 2 years. And for my case, I choose 2 years. I could choose 4 years, 4 years, 5 years, sorry, to detect votes in presidential, but I choose 1 year to detect other anomalies like legislation, etc. And after that, we're gonna apply this data, this table data to analyze to detect outliers. You can use IQL or GESD to detect outliers, and then after that you recompose your time series and plot the anomalies as simple as that. Okay. The data was pretty large. I couldn't plot all the data in one paper, so I made it on multiple time. The time decomposition will output the value for season and median span and remainder. This value is basically the observation minus season and median spans, and we calculate the remainder based on your algorithms that you selected before. Okay, anomalies. So what we do? We calculate based on algorithm IQR or GSD your boundaries for your data. So it's the upper boundaries and the down boundaries. And if your remainder is between those boundaries, it will say no, it's not an outlier. If it's out of these boundaries, it will say that it's an outlier. Like you said, the first it's minus 0 point. Which is in between these boundaries. The second, it's not. It's y far. Okay? And so on and so forth. And we do time recomposition for further plot. And here we got our plot with the red dots are represented the anomalies. So I tried both algorithms and see what's the difference. This the basic configuration. This is with the Twitter plus GSD. As you can see here, there is not smooth. This is just trend for the algorithm. But if we go with GSD, he tried to catch the seasonality. If you can this slight difference. And the red plot represented difference between two algorithms. In my case, it wasn't so much difference, so I could use both of these algorithms. So, what we need to do after detecting these outliers, replacing them may not be the best idea. It depends always on your case. Maybe if, for example, you want to just to detect this outliers, then you have to stop in step two. You have to stop in second. You have to stop here. If just to detect these outliers, you have to stop here. You have these outliers, you detect them, then you analyze why these outliers occur. But if you need to make, for example, prediction, and these outliers may fail your prediction, may make false detection, false error, sorry. Then you have to replace these values. And for our case, our algorithm that we have to use, I used interpolation and Kalman. Interpolation is a simple algorithm. This will replace your values by set that follow linear or your non-linear function. And Kalman, we replace your values by given joint function, probability joint function. Both of these methods exist in ImpuTS. So, how we proceed? We load our data. This data are
from the output from a previous function. Observe function, I removed all anomalies values. So I use if else function, not quite on vector values. I will, if anomalies it is equal to yes, I replace it by an end, otherwise I leave the values as it is. Then I apply any increment and transform it as integer, since our values must be an integer case, not with decimals. So I, and then after that I use ggplot to see how it becomes followable. Just to have, as you use an increment, you can use an interpolation instead with your parameters. Okay, and here we have our graph. Now the max values is about 20 clicks, and it's normal values. This was our outliers before. So if now you have you saw the code, how we do it. Now we want to automatize our process. We are going to use Shiny applications. As our friend explained here, I'm going to open my Shiny. Yeah. Okay. You can customize your Shiny app as you want. For me, I use three sub-comments, data, cleaning, and finally graph in sidebars. I use a box for file input there to select which box I'm going to post. So here the header for me, it's checkbox and this slide bar to select what's separated of your file. If you want to skip some rows, if your data have a column name in other rows than the first row, if you have any characters, and what file you choose. For example, for us, I'm gonna browse to my data, gtrend, Google Sheet, select, scatter plot, I use scatter, sorry, data, and the Y is scatter plot, and we got our data. These plots are interactive, you can select your point, and gives you what values and what's the x-axis. It's 2012 in May, and it has 100 click. I searched for that, I found this legislation for FLM. You can check for every point. These are points every 5 years. 5 years. No, this is 2012. Another 5 years. And I don't. This is the data frame, okay? I use to plot the data frame, data summary in boxplot. So, the cleaning. Here I use different algorithms. I choose three different algorithms to see other steps. ALIMA-based, KNN, K-nearest neighbors is not the conventional K-nearest neighbors, it's K-nearest neighbors with time series steps, okay? Also for autoencoders. So if I select autoencoders, I select how many outliers, percentage of outliers how many percentage of values I want to keep. For example, I want to keep 89% of our data, and all the rest is outliers. I use scatter plot, I select data, the y-axis always hit. Ah, sorry, here it's not, we have to select which column we're going to apply our algorithm. You can apply on many columns, but for my case, I'm going to apply just on hits. I use apply, and here we go. It already removed the other values and keep the non-outliers. If we go to plot, oops, here. These values on blue are outliers of my algorithms, so-called autoencoder. Okay, now, as we discussed before, I want to fill these outliers. What I'm going to use
simple interpolation on Kalman. I use interpolation always on hit. I may want just to apply on hit. I use apply, and I get my values. I represent by zero, and I download my file. As simple as that. Okay. And I got my file. That's all for the talk today. Thank you for having us. Speed up. For the code and for every technical part, you can ask me in email or on the group. I will answer. I just speed up for my friend to just follow up. Yes. What is the consequence of fitting a lot of outliers? If we have a lot of outliers in our data, this is your question. Yeah. You may have a prediction underfit is underfitting. If you apply machine learning, you will have an underfitting output because the occurrence of outliers. You have to remove them to be instead. So how can you choose the percentage of keeping the output? For the percentage algorithm to use are called hyperparameters. These have to be specified by the user, by the data scientist. There is no best way to choose. There is no an ideal way to choose. So you have to try until you fit. It's based on experience. There is no direct order how to use the percentage or what algorithm to use. If you are working with machine learning, we have to choose the training data and the set data. Okay, so we use the confusion matrix of confusion. For outliers, no, yeah. It's always about the confusion matrix at the end. So you will detect outliers. You will may remove them or replace them by median or by max values. It depends on your case and see after what's the output. If it's better output, then you choose the ideal way. It's called hyperparameters. Okay, what else? Une question, Rick Pata. Par exemple, quand on a deux populations, ce n'est pas vraiment des outliers. Qui m'a dit que nous avons des normal days, alors que les mafiums ont été en bon ordre. Ou la deuxième dans la population, il y a les connus autour des journées de vote. Ne serait-il pas ça, Zama, vraiment deux bases différentes. Une est en normal days, une est c'est ma halouk les rannes considérées en outliers ont vrai sur une autre population. Ou halouk les rannes de Keshifam outliers à ma dire en cold days, halouk les haram dire en population à chaque qui peut l'empêcher de tuer les rannes. Donc ça dépend. Pas forcément qui qu'on holidays ou là, qui qu'on les valeurs aberrantes. Parce que les qu'on aberrantes, ça sera pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas, c'est seulement pour quelques-uns. Ok? Donc, et c'est toujours l'objectif. L'objectif, est-ce que tu es juste en train d'analyser ou là tu es en train de faire la prédiction en utilisant les séries temporelles ou là, avec une donnée temporelle et tu veux faire une modélisation. Donc, chaque objectif, le traitement sera différent. Et après, l'objectif TAC, on va dire par exemple, avec des séries qui sont temporelles, et tu veux faire une modélisation. Un exemple, je ne sais pas, Habdir Propensity Model. Donc un modèle qui va prédire les clients qui vont souscrire à un certain nombre. Avec quelques valeurs aberrantes par rapport au temps, parce que maintenant, Fleid, la souscription, Zéchouya, Al-Baqi, etc. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'avec la variable temporelle, elle crée, soi-disant, la disparité, il faut la mettre en valeur. Donc, on a une variable qui dit est-ce que les jours sont fériés ou pas, ou là, est-ce que Qarab est un jour férié ou pas, est-ce que les alentours, mais si le jour même est rechargé ou là, il souscrit, etc. Donc, quand
انت تعطي الالغوريثم الانفورماسيون هذه ديجا راك ساعدته وديستينغي باللي هادو مي با فورسيمون انك تروح سيغمونتي لا باس بار كونت دي فوا الى بور دي فان بيزنس عندك دي فالور كليون ديفيرونت دونك عندك دي هاي فاليو عندك دي لو فاليو سي تو لو كومبورتمون جينيرالمون كي ديفيرونت هنا سا سرا بوكو ميو انك سيباري لي باز تاعك يكونوا دي باز ديفيرونت ولا موديليزاسيون اي سو في بار سيغمون Donc voilà en général. C'est bon. So it's always based on your case. Yeah. Yeah. Voilà. Donc le suivant, ça sera Yassine. Juste un truc. Alors j'aimerais annoncer une nouvelle. Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle. Khouna Zakaria Hadigo. كان المفروض كان معانا تقريبا في كامل لي ميتاب وكان المفروض يكون معانا الوالد تاعو توفى البارح دونك دعوا له ربي يرحمه ان شاء الله ويسلم ليه Meetup et je suis vraiment ravi d'être sélectionné parmi les speakers afin de partager une petite expérience et aussi bénéficier de la vôtre. Et je tiens aussi à saluer les efforts énormes faits par Fatah en ce qui concerne l'animation et toute l'organisation qui va avec. Alors d'abord je présente, c'est Mohamed Yassine Ismaïl, j'occupe actuellement le poste de junior data scientist au sein de YA Technologies qui est beaucoup plus connu pour son produit SIA. Et aujourd'hui je vais présenter le machine learning workflow, c'est-à-dire le process à suivre pour un projet de machine learning. Et contrairement à ce qui a été présenté, ma présentation n'a pas de code. Donc, pour ceux qui attendent un peu de la technicité, je suis désolé de vous décevoir. Donc pourquoi c'est important d'avoir un process? C'est beaucoup plus pour suivre le projet et aboutir à sa finition, c'est-à-dire getting things done. Je suis sûr que certains parmi vous sont déjà familiers par ce schéma qui a été introduit par Hadley Wickham. Hadley Wickham, c'est un data scientist ou statisticien qui a beaucoup contribué à l'écosystème de R. J'ai juste ajouté deux composantes à ce schéma, à savoir la définition du problème et le prototyping ou bien mettre en production les modèles, etc. Pour ce dernier point, je pense que la présentation de Nassim va mettre beaucoup d'informations et mettre en avant sur ce côté-là, donc je ne vais pas trop en parler. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de définir le problème. C'est une partie très importante qui est souvent négligée et qui permet d'encadrer et guider le projet pour avoir des résultats le plus rapidement possible et avec de façon rigoureuse et efficiente. Donc, ensuite, on passe à l'importation ou bien à la collecte des données avec le traitement, le cleaning, transformation et toute l'analyse exploratoire qui va avec.
On a aussi cette boucle qui permet d'itérer entre ces étapes. Et en final, on passe à la communication des résultats. Ça dépend de notre audience. Donc, pour la définition du problème, comme j'ai dit, c'est une étape importante et il y a plusieurs façons de faire. Parfois, le problème il est prédéfini, mais parfois, si vous vous trouvez avec plusieurs projets, vous devez s'asseoir avec les différentes équipes de votre entreprise, les ventes, operations, marketing, IT, etc. Parce que chacune de ces équipes aura son propre projet. Par exemple, pour les ventes, vous pouvez avoir un problème de forecasting. Pour operations, c'est optimisation de la distribution des ressources, etc. Marketing, tout le travail du CVM, la rétention, la détection du churn. Et pour le IT, par exemple, ils sont intéressés par mettre un genre d'un système d'alerte qui détecte des anomalies dans le système, etc. Il faut aussi s'aligner avec les objectifs de la compagnie. Donc, est-ce que sa principale stratégie est la croissance ou bien faire du profit ou bien les deux? Donc, vous devez absolument mettre au courant tous les top managers avec les projets sur lesquels vous allez travailler. Ça vient ensuite le côté de priorité. Et mettre en priorité, parce que vous aurez toute une liste avec des projets possibles sur lesquels vous allez travailler. Et vous devez mettre en priorité selon la complexité et l'impact sur le business. Ensuite, il faut déterminer pourquoi, après la définition des projets, donc pourquoi on s'intéresse à la résolution d'un problème de business et comment faire, ce qui conduit aussi à l'établissement d'une feuille de route avec des mini-objectifs qui permettent de faire progresser le projet. Par exemple, sur l'importance, il faut déterminer pourquoi on veut faire un tel projet. Si vous suivez par exemple la Chief Data Science, Data Decision Scientist de Google Cassie, elle qualifie ce genre de problème comme le type d'erreur numéro 3. On sait que dans les statistiques, on a type d'erreur numéro 1 et 2. Elle a ajouté type d'erreur numéro 3 qui est en grosso modo travailler sur un problème et mettre tous les efforts et toutes les ressources. Après un certain temps, vous découvrez que ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est vraiment une perte de temps. Donc, ça, c'est ce genre de schéma qui aide beaucoup plus sur la priorisation des projets. Vous avez la complexité et l'impact, donc avec l'aide de toutes les équipes, vous estimez ces deux attributs pour chaque projet afin de commencer avec celui au top priorité. Donc ensuite, on passe à l'étape qui est beaucoup plus la collecte, l'utilisation du donné, le nettoyage, le traitement et l'analyse exploratoire. Si vous travaillez dans un domaine professionnel, vous avez déjà probablement accès à une base de données, mais parfois pour répondre à certaines questions, vous aurez besoin d'autres données. Par exemple, si vous voulez évaluer la satisfaction des clients, la loyauté, estimer la part des marchés, etc. Donc vous aurez besoin de faire des enquêtes et collecter la data. Après, il est préférable aussi de faire de petites vérifications de données et ça vient aussi avec la compréhension
des process qui génèrent les données. Donc, on ne peut pas vérifier la qualité des données sans comprendre quel est le process derrière. Et aussi, avoir un aperçu sur la donnée, la signification des variables, leur intervalle, etc. Donc, après avoir eu les données, donc, peut-être la première chose à faire, c'est de faire de l'analyse exploratoire. On peut commencer par l'exploration univariée, c'est-à-dire prendre les variables individuellement et visualiser leur distribution. Et ça permet aussi de trouver certaines anomalies et comprendre comment les valeurs de chaque variable sont distribuées. En étape suivante, c'est l'exploration multivariée. Donc, ça permet de visualiser plusieurs variables à la fois, que ce soit entre les variables prédictives ou bien plus intéressant entre la variable à prédire, notre target variable, avec les variables. Avec les autres variables afin de déterminer les corrélations et les relations entre ces deux. Après avoir fait l'exploration, vous aurez certainement des hypothèses, vous allez trouver des corrélations et ce qui va conduire à la création d'autres variables. C'est ce qu'on appelle le feature engineering. Qui vont permettre de capter plus de signal dans notre data. Et ensuite, une autre étape importante, c'est le traitement des valeurs manquantes et les valeurs extrêmes. Encore une fois, il faut comprendre le process et ce qui cause l'existence de ces valeurs. Par exemple, est-ce que les valeurs manquantes sont dues beaucoup plus à l'existence de l'activité de certains clients. Donc, dans ce cas, on peut facilement remplacer par zéro. Par exemple, si vous avez un client qui a fait une activité sur un mois, le mois suivant, il n'a pas fait activité, le mois d'après, il l'a fait. Donc, là, vous comprenez que c'est juste un manque d'activité, vous pouvez remplacer par zéro. D'autres fois, vous pouvez. Quand ce n'est pas le cas, vous pouvez, c'est-à-dire remplacer par les médiums des utilisateurs qui partagent les mêmes caractéristiques que de ce client. Pour avoir une imputation des valeurs manquantes assez fiables. D'autres cas, vous pouvez même faire des modèles de régression ou bien de classification à l'aide des variables restantes pour prédire la variable manquante. Donc, la même chose pour les valeurs extrêmes. Est-ce qu'il y a un process derrière? Est-ce que ces valeurs extrêmes sont prédictives, sont prévisibles? Alors, vous pouvez capter ce genre de valeurs à travers de nouveaux variables du feature engineering. Ou bien, vous êtes parfois amené, quand c'est une anomalie, vous êtes amené à juste les enlever de votre donnée. Vous avez posé la question tout à l'heure, donc le traitement des valeurs extrêmes, ça rend le modèle plus robuste. C'est-à-dire, il n'est pas sensible. Même quand vous avez du train data et test data et vous supprimez les valeurs extrêmes dans le train data, mais ça reste dans le test data, mais quand même, ça va se généraliser mieux. Et éviter le cas du surapprentissage. Après avoir fait ce traitement de données, donc là on a tous les ingrédients nécessaires et on est prêt à passer à l'étape de modélisation. Il faut d'abord juste se positionner. Est-ce qu'on est intéressé beaucoup plus par l'interprétabilité ou bien la précision de notre modèle? On peut avoir les deux. Par exemple, on aimerait bien détecter les turners avec une précision
importante. Et aussi, on veut comprendre ce qui constitue afin de personnaliser les campagnes marketing. Une fois cette étape déterminée, donc on passe à l'utilisation ou bien établir des modèles en choisissant les algorithmes nécessaires, par exemple les algorithmes d'effet, si c'est un problème de traitement de texte, traitement d'image, ou bien si c'est une régression, si c'est une classification, ou bien si c'est du clustering segmentation. Donc, chaque type de problème ou de business nécessite certains types d'algorithmes. Bien sûr, il y a des algorithmes qui sont utilisés à la fois dans la régression et dans la classification. Il faut aussi comprendre les hypothèses des modèles. Donc, chaque modèle vient avec des hypothèses, ses limitations. Est-ce que, par exemple, est-ce que ce genre d'algorithme il est sensible à la multicollinéarité? Est-ce qu'il est sensible aux valeurs extrêmes, etc. Par la suite, il faut définir une métrique qui va servir à évaluer l'algorithme. Donc, encore une fois, le type du problème ou bien d'algorithme va influencer la métrique utilisée. Donc, il y a des métriques qui ont la même unité que la variable à prédire. Il y a des métriques qui donnent moins de poids pour les valeurs extrêmes. Il y a des métriques pour la régression, pour la classification, pour le traitement des textes. Donc tout ça, c'est important à définir afin d'avoir un modèle robuste. Donc après avoir testé plusieurs algorithmes et modèles, on peut faire du feature selection, c'est-à-dire vous allez découvrir que certaines variables n'ont pas assez de pouvoir prédictif, d'autres l'ont déjà, et ça permet de simplifier le modèle tout en gardant le même degré de précision. Donc, après, si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez passer à ce qu'on appelle le hyperparameter tuning. Chaque algorithme vient avec ses paramètres. Donc, vous testez plusieurs combinaisons de ces paramètres pour augmenter la précision. Pour la cross-validation, ça sert beaucoup plus à aider à rendre le modèle plus généralisable, c'est-à-dire quand vous appliquez sur les données que vous aurez au futur, sa précision ne va pas se dégrader trop. Donc, c'est des techniques de rééchantillonnage. En résumé, vous avez par exemple votre donnée d'apprentissage. Si vous appliquez cross-validation sur 5 faults, 5K faults, vous divisez votre data sur 5, vous utilisez les premières 4 parties pour le training du modèle et vous testez sur la partie restante, ainsi vous, après vous glissez. Donc les autres 4, vous testez sur la 5e, etc. Et tout ça, en fait, c'est une sorte de boucle. Donc il faut tester et évaluer les différents modèles et déterminer plusieurs modèles candidats. Et aussi, il y a des techniques comme le ensembling, ça permet de combiner plusieurs modèles à la fois, bien sûr au détriment de l'interprétabilité. Et ensembling, c'est-à-dire, par exemple, vous avez un modèle decision tree, vous avez random forest, vous avez XGBoost. Vous allez, par exemple, votre modèle final sera 50% XGBoost, 25% decision tree, l'autre 25% random forest. 25% de quoi et 50% de quoi? Le poids du modèle.
exemple, si vous êtes amené à traiter une variable continue, vous faites une moyenne entre deux modèles, donc ce sera 50%, 50%. Donc la valeur prédite d'un modèle 1 plus la valeur prédite du modèle 2 divisé sur 1. Mais vous pouvez faire du grid search pour définir les combinaisons, la combinaison optimale qui donne la meilleure précision possible. Pour la partie communication, qui est très importante, donc il faut d'abord définir votre audience, à qui vous communiquez vos résultats. Donc si c'est vos camarades, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc si c'est vos camarades qui travaillent avec la data, vous souhaitez communiquer des notebooks à Markdown pour le cas de R, avec toute la technicité qui va avec et le code. Par exemple, d'autres audiences qui est juste intéressée par l'utilisation du output de votre projet, donc elle n'a pas besoin de connaître tout le code et la méthodologie, vous pouvez faire comme on a déjà vu avec les applications Shiny ou bien du dashboard. Donc tout dépend de la personne à laquelle vous reportez vos yeux. Donc je vais juste parcourir brièvement ce process que je viens d'écrire. Je vais exposer un code qui existe sur le site Kaggle. Le site Kaggle, c'est un site connu pour les compétitions de data science. Donc je vais prendre le cas de prédiction de durée des courses des taxis de la cité de New York. Ce kernel appartient à un auteur, je pense qu'il est allemand, et il est beaucoup plus connu sur le pseudo de Heads or Tails. Donc j'ai mis le lien, après on va partager les slides, et vous pouvez accéder à ce kernel en détail. Ce qui me plaît chez Heads or Tails, c'est que son code il est bien organisé avec toute la méthodologie et le storytelling. Donc ça permet vraiment de structurer les idées. Et qui illustre bien, quasiment bien, le process que je viens de présenter. Je vais juste me contenter de la partie analyse exploratoire, mais vous pouvez consulter ce code avec plus de détails, pour avoir plus de détails. Donc la définition du problème, on ne va pas en parler parce que généralement toutes les compétitions viennent avec le problème déjà défini. Ils vous donnent le contexte de la compétition et vous êtes amené directement à la partie traitement de données ou bien la modélisation. Donc ici pourquoi on veut prédire la durée des taxis, c'est pour améliorer le système du dispatching des taxieurs. Dispatching, c'est-à-dire pour un client, quel est le meilleur choix de chauffeur auquel on va assigner à ce client. Donc c'est beaucoup plus utile dans le partage des trajets, le cas de Uber Pooling. Donc voilà, c'est ça le problème qui est prédéfini. Je passe directement à ce qu'a fait cet auteur en ce qui concerne le data processing, c'est-à-dire en suivant le process. Tout d'abord, cette donnée contient des informations concernant les courses de la ville de New York à partir du janvier jusqu'au juin 2016. La donnée est déjà splittée en train data et test data. On a 1 450 000 observations pour train avec 11 variables. Et test data, on a créé 625 000 observations. Avec de la chance, on n'a pas de valeur en compte. Les variables que contient ce jeu de données, c'est le ID,
concerne l'AID de la course, le Trip ID. Vendor ID, c'est la compagnie auquel appartient le taxieur. Le pick-up time, c'est-à-dire la date et l'heure du pick-up. Drop-off, c'est la date et l'heure de la destination. Passenger count, combien de personnes il y avait dans ce taxi. Ensuite, on a les informations spatiales, longitude et latitude du pick-up et de la destination. Et la variable stop, follow and fly, étant l'information, est-ce que les données ont été déjà transmises au serveur du système du taxi ou bien ont été enregistrées après ils ont été transférés. Et en final, on a la variable à prédire qui est la durée de la course. Donc, on a parlé sur l'exploration une variée des variables individuelles. Donc, par exemple, si on utilise le pick-up longitude, c'est un graphe qui a été fait avec le package leaflet. Donc, ça permet de faire la projection des données spatiales sur le map. Et il est interactif, donc vous pouvez zoomer et ajouter d'autres composants. Donc là, on voit que la majorité des courses ont été faites sur le district de Manhattan. On a donc quelques petits clusters, par exemple sur l'aéroport de JFK et l'aéroport de LaGuardia. On a aussi un petit cluster sur le district de Queens, etc. Donc ça donne déjà une idée, par exemple, on peut intuitivement deviner que les courses qui vont partir des aéroports ou bien les destinations vers les aéroports vont être plus longues. Donc si on arrive à créer une variable qui capte ce signal, ça pourrait être bénéfique pour notre modèle. Donc, à droite, on a la distribution de notre variable à expliquer. Donc, on remarque là une transformation logarithmique a été appliquée afin de bien visualiser cette distribution. Mais on remarque qu'il y a des outliers, des valeurs extrêmes, ou bien ce sont des anomalies. Par exemple, là, vous avez des courses qui ont duré moins de 10 secondes, et ici, c'est à peu près 100 000 secondes, c'est plus de 24 heures. Donc, ça vaut le coup vraiment d'investiguer pour avoir une idée derrière. Toujours en exploration univariée, donc la variable passenger count, c'est-à-dire combien de passagers dans la voiture, on voit clairement que les valeurs dominantes sont un seul passager ou bien deux passagers. La compagnie des taxieurs, la compagnie 2, on a seulement deux catégories. La compagnie 2 a fait plus de courses durant ce laps de temps. La variable store and forward flight. Donc ici aussi, il y a une transformation sur l'axe des Y afin de bien visualiser cette catégorie. Sinon, si vous plottez les données brutes, vous allez trouver le nombre de valeurs avec la catégorie S. Il est très minime. Donc, de ce côté-là, à partir de la variable de pick-up date time, on a pu extraire le jour de semaine. Et bien sûr, sur ces graphes-là, ce qui est sur l'axe des Y, c'est le nombre de courses. Donc, on voit bien qu'il y a une variance entre les jours de semaine, avec la compagnie 2 qui a toujours plus de courses. La même chose, on a pu extraire l'heure de la demande. Donc on voit bien que la demande
la demande va croître pour les premières heures du matin et aussi à partir de la fin du travail. Donc c'est environ 18 heures, etc. Donc ici, c'est la distribution des dates. Donc on peut détecter facilement qu'il y a une sorte de saisonnalité qui va correspondre beaucoup plus au jour du week-end. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une baisse significative vers la fin du janvier. Par exemple, il y avait un événement spécial ou bien un bug dans le système ou bien sa relation avec le climat, etc. Donc, juste à titre d'exemple, pour le cas d'ISIR, on avait un graphe similaire quand l'équipe nationale jouait ses matchs. Et beaucoup plus la journée où l'équipe nationale est rentrée au pays. Donc, il y a aussi une petite différence de la demande entre les différents mois, on a 6 mois, et aussi pour les jours de semaine, on remarque que les week-ends partagent à peu près le même comportement et les jours de travail aussi ont presque le même pattern. Donc ça, c'était pour l'exploration univariée. Donc là, on passe sur l'exploration multivariée et beaucoup plus déterminer les relations avec notre variable à prédire. Par la même chose, ici, au lieu d'avoir le nombre de courses sur l'axe des Y, on a trip duration. Donc que ce soit la médiane, on a utilisé les verbes de deployer, group by, pour avoir la médiane pour chaque jour de semaine. Et par la même chose, vous voyez qu'il y a une variance causée par le jour de semaine et aussi l'heure, ce qui est un bon indicateur que notre variable pourrait être utile pour la prédiction. Pour number of passengers, vraiment il n'y a pas une différence significative. Donc soit on l'utilise dans le modèle et après on détermine si on va garder ou pas. Donc pour la distribution du trip duration selon les compagnies 1 et 2, donc ils ont à peu près la même distribution, sauf que la moyenne pour la compagnie 2 il est beaucoup plus grand à cause des courses longues pour cette compagnie 2 plus que la compagnie 1. Donc ici pour la variable store and forward flag impact, donc aussi la différence entre la distribution du trip duration n'est pas vraiment claire. Donc déjà avec l'exploration, on a créé des variables à partir de la variable daytime. On a dérivé le mois, le jour de semaine, l'heure. Notre donnée, par contre, il y a une variable très, très intuitive, mais qui reste manquante, ce qui est la distance. Donc, intuitivement, on peut deviner que la distance pourrait être un indicateur très important. Et pour cette raison, l'auteur de ce notebook a utilisé la fonction DistroSign, qui appartient au package Geosphere, afin de déterminer les distances entre les points de départ et de destination. Par contre, ces distances, c'est des distances vaudoises, donc ce n'est pas les distances routières. Mais ça reste quand même un bon indicateur pour notre modèle. Il a aussi créé des variables donc, qui regroupent
toutes les courses qui vont vers et qui démarrent de des aéroports dans un rayon de 2 km. Il a aussi, inclus les variables météo. Si vous vous rappelez ici, cette pièce, il y avait une tempête de neige dans la ville de New York, ce qui a causé ce pattern. Donc si on arrive à créer une variable qui va prédire ces événements, donc ça va certainement être bénéfique pour le monde. Il a aussi créé la variable work hours, c'est-à-dire c'est une variable binaire qui détecte toute la demande entre 8h du matin et 6h du soir, tout en excluant les jours de week-end. Il a aussi utilisé des variables à partir du OpenStreet Route Map. Donc ces données-là, bon, malheureusement actuellement dans son code, ces données ont été enlevées, ont été supprimées, je ne sais pas pourquoi. Et c'est difficile d'en avoir. Donc vous pouvez avoir la distance, pas de vol d'oiseau, mais la distance des routes. Donc c'est plus précis. Donc ici, la distance, la visualisation de la distance, de la durée en fonction de la distance. Donc, est-ce qu'on attendait, donc, à chaque fois la distance augmente, la durée augmente, mais on remarque aussi qu'on a des outliers ici. Ici, c'est pour les variables qui ont été créées pour les aéroports. Donc, on voit clairement qu'il y a une différence significative entre la durée de la demande qui va avec l'aéroport. Donc, pour les outliers, comme je l'ai déjà expliqué, donc ça permet de rendre le modèle plus robuste. Donc ce qu'il a fait, l'auteur de ce kernel, c'est-à-dire de créer une sorte de chemin afin de comparer la durée à la distance. Donc à l'aide de la fonction JC intermédiaire, toujours du paquet Geosphere. Et le résultat de ce plotting, donc ça permet d'avoir une idée. Ça, c'est juste un échantillon de 200 observations sur les courses qui ont duré plus d'une journée. Donc, les points rouges ici représentent le pick-up et les points bleus représentent la destination. Vous allez déduire que la plupart des courses ont la distance petite, mais avec une durée de plus de 24 heures, donc ce qui est vraiment irréaliste. Et par la suite, l'auteur a conclu qu'il faut vraiment enlever ces observations afin de bien utiliser les données. Donc pour la partie modélisation, on a déjà notre type de problème, c'est l'agrégation. Donc on va prédire une variable continue. On peut utiliser différents algorithmes comme le Random Forest, XGBoost, etc. et passer par tout le process déjà présenté afin de déterminer le modèle final. Ici, les compétitions générales viennent avec la métrique à utiliser pour le classement. Dans ce cas, ils ont utilisé le Root Mean Square Logarithm Error plutôt que Root Mean Square Error. Le logarithmique, c'est juste pour donner moins de poids pour les valeurs extrêmes. Donc ça, c'était juste une exploration rapide. Pour avoir tous les détails, vous pouvez aller consulter le code de cet auteur. Donc merci. On sent une question. Jonas, et Allah, Yassine.
خلي خليها تما Okay, salam, je me présente, c'est Yassir Lahaj. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on appelle Social Network Analysis. Ça va être une courte présentation. En réalité, c'est un use case, il n'y aura pas de partie technique, il n'y aura pas de script ni rien. Le truc, c'est juste de montrer ce qu'on peut faire avec ça. C'est tout l'objectif derrière. Donc, on va commencer premièrement par définir qu'est-ce que c'est qu'un Social Network Analysis. Pourquoi aujourd'hui on utilise ces use cases dans différentes industries, comment c'est construit, et à la fin on va terminer avec une démonstration d'une communauté réelle avec la détection de tout ce qui est lié et tout. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est connecté. Que l'on a de son propre réseau, tout le monde est connecté. Ce qu'on cherche à faire, disons, c'est de collecter les données GAP et par là même d'essayer de détecter les différentes communautés liées. On va prendre un exemple d'un opérateur télécom. Où il y a un opérateur télécom, un doux, ce qu'on appelle les CDR. Les CDR, en d'autres termes, c'est quand vous faites un appel, un client A et derrière un appel vers un client B, ça c'est un CDR, c'est une information qui est stockée au même opérateur télécom. Maintenant, il s'agit de prendre en considération les CDR et d'essayer de déceler les différentes communautés liées derrière le réseau terme. Et par là même d'essayer de détecter les leaders à l'intérieur de chaque communauté, parce que le couloir a son propre réseau. Mais à la barouche, vraiment, je trouve le leader derrière le réseau. Il se pourrait que un tel leader, comme il se pourrait que ça soit le leader derrière le réseau. Donc, pour faire simple, Social Network Analysis, c'est le mapping et la mesure des relations entre différents clients. Et par la suite, essayer de regrouper garde un client dans une seule et unique communauté et chercher à déceler le leader. Maintenant, c'est une définition d'un leader. Définition d'un leader, c'est simple. On va prendre un exemple simple. On prend par exemple un AIA, le network d'AI, qui est un AIA, ou 5 AIA de MAI. Un AIA de Diamond, rien de 5 AIA. Ok? Un AIA de le plus, un de 5 AIA. On a un AIA de le moins. Donc, par défaut, on a le leader. Donc, c'est un AIA qui émet le plus d'appels et en même temps qui reçoit le plus d'appels. Donc, il y a des appels à un Jayin Liya ou Khadjin Mahandi. Donc, un MOA de centre de gravité, le réseau TAI. Donc, c'est ce qu'on cherche Lyon. Il y a deux aspects qui sont importants. Il y a la détection de la communauté, parce que c'est important. Je suis une communauté derrière le réseau TAI. En fait, la détection des leaders de chaque communauté. Ok? Maintenant, le social network analysis, c'est vraiment important. Khassatan, donc, le work TDRAN, oui, tout le monde est connu. Que ce soit via le canal classique, il y a des appels classiques, ou bien via les réseaux sociaux, via Internet, Facebook, etc. Maintenant, Social Network Analysis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle permet de faire? Lyon, gars, les institutions, que ce soit banque, télécom, peu importe, ils chauffent le client comme étant un simple client, c'est-à-dire un client à grande valeur, ou à valeur moyenne, ou à faible valeur. Social Network Analysis, elle permet d'avoir une vue complètement différente à la vue classique des clients. C'est-à-dire, au lieu de trouver un simple client, tu fais un leader de communauté. C'est-à-dire que ça va être, c'est une personne influente qui peut faire passer des messages, qui peut donner une bonne image de l'opérateur ou bien une très mauvaise image. Donc, il faut le traiter en tant que tel. C'est un client qui est assez spécial. Et on va prendre un exemple assez simple.
اليوم مايك كي تحب كوميرسياليزي نوفيل باسكيت تحب تعطيها لرونالدو يبقى لا بوستي ديريكتومون سو انستغرام عنده لي فولوور تاعو اي تو ليس دونك سي تو الكونسيبت ساجي دي بوتيك دي ليدر اي دي تي اي دي نيز يوتيليزي ا بون ايسيون اي سورتو لو سوشيال نتورك اناليزيس كيما راه مكتوب هنايا نو بيرمي دو بونسي ديفيرامون ديفلوبي ديفيرامون دي كومبان ماركتينغ اي سورتو دو سيبلي ديفيرامون C'est-à-dire passer d'un niveau client simple à un niveau influenceur. Maintenant, pourquoi la SLA, encore une fois, ou oui, il est utilisé principalement. Lyon, le SLA est utilisé dans ce qu'on appelle Customer Value Management. C'est tout ce qui considère la valeur client et d'essayer d'augmenter tout le reste. Les campagnes de rétention, la prédiction du churn. Parce qu'il faut savoir qu'un client, il a le réseau terre, il doit regarder le web, il faut le journal réseau terre. Exemple, je suis client, le réseau terre est garant, il fait Jizzy Maël. Donc il a le réseau terre, il doit chaque client, il faut que je me dise, il fait web. Donc je vais les appeler à coût élevé, par exemple, il regarde la compétition. Donc par défaut, en attendant, je vais partir. Donc il faut les comptes social network analysis, c'est une variable importante pour la prédiction du churn. On utilise tout ce qui est customer experience, parce que Lyon qui t'a appelé un client, c'est un leader, laisse-le t'appeler une expérience client qui soit unique, afin que les clients partagent un message positif à tout ce qui est campagne marketing qui m'a mais surtout la détection des influenceurs et la détection des communautés. Maintenant, on a d'ailleurs une vidéo. اللي رايحه توري قبل ما تنسيها سكي بيان و شفنا من الصباح سي كاين دي زالغوريثم تاع ماشين ليرنينغ اي تو ليست اي سيتيرا اي سيتيرا ما على بالناش فريمون كومون سا مارش داريا اون رياليتي سي دي بوات نوار عندك اون فونكسيون تو ديكري و خلاص و طلع لك ان ريزولتا ماتنو حنايا سكون اون ديسيدي دفير سي دو بروبوزي اوتر شوز سي دو مونتري كومون لالغوريثم مارش داريا الانسان عنده Là, le point rouge, c'est leader. Où est-ce qu'il va chérir? Il y a une communauté. C'est des gens qui sont à la base dispersés. Où il va essayer, il va chercher à les groupes. Là, il y a un outdoor à partir. Ce qu'il faut savoir, à la base, ils jouent avec les communautés, ils ne sont pas liés. Okay? Ou à la base, là, on ne sait pas où il y a cet leader. Donc, il y a juste deux choses que je vais tomber à la fin, c'est par exemple, il y a une communauté ou qu'il y a un leader. La communauté, à la base, elle a des données qui sont stockées dans des serveurs. Oui, on ne peut pas voir les relations entre chaque client et tout le reste. On a chaque point, il représente un client. Okay? Donc l'algorithme, ce qu'il va chercher, il va mesurer la relation avec les gens qui regardent le plus, il va les regrouper derrière une même communauté. Une fois regroupé avec les gens, il va calculer les interconnexions entre chaque client ou un autre. On va dire que celui qui a le plus d'intersections, alors il va les mettre en rouge et voit le leader. On a un moment sur la vidéo. Voilà. Il y a plusieurs niveaux. Hein? Plusieurs niveaux. Hein? C'est un seul niveau. Tu as un exemple. Là, est-ce que j'ai une date d'interaction d'autres choses. Donc, un niveau, un exemple. On a adressé le number of calls. C'est le nombre d'appels. Quand il y a un عندو par exemple هنايا نشوفو لا لارجور تاع هاد التروك هنا تاع لا كونيكسيون قد ما تكون لارج قد ما عندو اون فورت كونيكسيون مع هاديك لا بيرسون قد ما تكون رقيقه سيك عندو اون بتيت كونيكسيون معاها لكن سكي هي بيان وهادي نخدمو بها لا بريزونطاسيون هادي هنايا سيت اون كوميونيتي ريال بين اون ابلي دي نيميرو فرونسي اوكي كاين دي باز دو دوني بون ا توت فان يوتيل هادي نيميرو فرونسي هذه
ما نقدروش نديرو دي نيميروات المهم نتيري كوين حنا سي دي نيميرو فرونسي تقدروا توجور تروحوا للانترنت كاين لا دوني ديسپونيبل كاين لي سكريبت يوتيليزي هادشي دونك لو تروك في لا داتا ساينس كي فو سافوار سي فو فير لي فو فو فير بوكو دي فو ما لهنا هاي يعني سي كوميونيتي ريال On a toujours le point rouge, c'est le leader. Mais qui m'a raconté une fois, c'est des numéros de téléphone interconnectés. C'est plusieurs opérateurs. Il y a les opérateurs. Donc on peut détecter les leaders même à l'opérateur, puisqu'on a les connectés. Donc là, ce que vous allez voir, c'est une communauté réelle, c'est une très grande communauté. Ils sont interconnectés, maintenant à le leader. Faut savoir là, alors c'est ces connexions directes d'accord. Moi je connecte avec les gens là. Il est connecté avec eux. Mais tout le monde il tire une connexion. Ada j'ai besoin d'autres connexions. Ada j'ai besoin d'autres connexions, etc. Ok. Donc il y a des connexions directes et indirectes avec le leader. Maintenant, ce qui vient, c'est trouve l'influence d'ahad le leader. Je t'apprends vraiment il y a influence. Maintenant, le leader s'il décide de partir. راح يجي معاه هادو راح يمشي امو بالمسار دونك يبقى في البوجي قاعد نتورك معاه دار تو لي سونس سي سا لو تروك تاع ال تاع ال بون هادي ستون فيزواليزاسيون كي تريز انتراكتيف كاين ان باكيج اسمو ويز نتورك في ار كو بوفي يوتيليزي تو ليز Maintenant, allez, c'était juste pour montrer qui fait le leader là, il est vraiment interconnecté avec la communauté de terre. Comment il peut faire bouger le réseau terre ou par sa parole et tout le reste. Donc, d'où l'importance de la détection des communautés Lyon et les leaders. Et c'est un enjeu Lyon. Différents domaines, pas uniquement les télécoms, surtout les réseaux sociaux. Il faut savoir Lyon, un Facebook, il y a les données, tout ce qui est social, etc., sont stockés. Donc, ils ont des ID pour chaque compte Facebook. Donc, ils peuvent déceler à leur niveau les leaders, les cahiers d'appel les réseaux sociaux. Peut les citer facilement. Lyon, maintenant, on peut le faire parce qu'on a des données télécom, les bons Bordeaux peut-être. En fait, je ne sais pas, mais là, c'était comme ça. Alors, merci. Question c'est juste par rapport au côté technique en termes de puissance de calcul. Parce que on sait que les bon télécoms, ils sont. N'attaque un exemple simple. Allez, c'est une excellente question. Ce qu'il faut savoir, nous dire un calcul assez simple. On roule où, par exemple, je suis en train d'utiliser le téléphone en moyenne. En moyenne. Deux fois, tu utilises par jour. Je t'appelle en tout, connexion internet, appel, je t'appelle. Imagine, c'est tout exemple. Un tour à base de données Accélère. Et on va dire la base de données théorique, il y a 10 millions de clients. Donc, chaque client est connecté à 20 fois par jour, plutôt utiliser le téléphone théorique 20 fois par jour. Donc, avec un flux journalier, tu as 200 millions. Ce qu'il faut savoir, Damon, la data science et tout le reste, Damon nous doit un historique qui est assez conséquent, on ne voit pas vraiment. Si on peut, si on va l'acheter. Donc tu peux imaginer le flux journalier d'un 200 millions de données par jour, là tu vas faire trois mois. Le truc, oui, le SNL, c'est qu'il faut les prendre daily et non pas monthly, les connexions. Parce que les MHDAE, ils ont des connexions day to day, avec le network down. Mais je vois que tu as un peu de charge et de la Donc le flux pour générer ce truc, avec les environs, on va dire entre 1 milliard, 1 milliard 500 de données, ils vont mettre des données par an en mois, mais qu'il y a des algorithmes dédiés, maintenant il y a maintenant qu'il y a un network kit, c'est un algorithme, il y a à la base, il est écrit en C++, mais au chemin, on a un package d'Apple Python, qui permet de faire des calculs. Maintenant, ce qu'il y a de truc, oui, R, il peut faire, un logigraphe, etc. Il peut faire le truc, mais network est un il est 10 fois plus rapide que R.
c'est une meilleure implémentation. Maintenant, le truc, oui, il faut qu'on ait un serveur qui dédie des calculs géants. C'est-à-dire, exemple, un serveur il fait 200 gigas. 250 gigas de puissance. Donc, laisse nous comprendre le serveur tech. Donc, pour faire un des trucs, laisse nous trouver des bases théoriques. IT, l'environnement IT tech, soit capable d'absorber ces trucs-là. Pour le télécom, mais pour mais d'autres. Social network, c'est plus. Il a des données. تقدر ديرهم pour tout ce qui est échange تاع email etc. En tant que freelancer, c'était les interactions entre les auteurs ou les questionnaires à certains sujets. Où je pose un machin qui a plus d'informations, etc. Les téléphones, les téléphones, les start-up, etc. Je crois qu'il faut mettre un serveur web grâce à l'Internet. Donc, pour commencer, c'est quoi HTTP? Donc, HTTP, c'est un protocole de communication entre un client et un serveur. Le client va émettre une requête, le serveur va lui rendre une réponse. Parmi les clients, des navigateurs ou les serveurs comme par exemple Apache ou Nginx. Je vais vous dire remarque, on va essayer de transformer l'app en serveur. Une communication, je vais vous penser quoi exactement. On va aller poser deux parties. Donc, le client va émettre une demande avec un verbe, un chemin vers une prochaine note et le serveur va lui répondre avec une réponse ou le corps du message.
Votre façon de penser. C'est la même chose. C'est comme si on faisait. On le capte. Parce que les pays qui manquent, on ne peut pas entrer. On ne peut pas revenir à la pays. C'est la même chose. On est les 20 décrets dans le canal 4. On est plus utilisé GET, HEAD, HOST, HOLD, POTCH, CANDIDATE. GET, généralement, on l'utilise pour demander une information. Et POST, pour envoyer l'information. PUT, c'est pour modifier. Et DELETE, pour supprimer. Et pour les réponses, la différence statut. Donc, tout ce qui commence par 100, c'est pour l'information. Les 200, c'est pour indiquer un succès, 300 de direction, 400 c'est pour les erreurs, donc plus qu'on essaie de 404, et 500 c'est les erreurs de serveur. Alors, on va commencer avec Blender, donc on va essayer de voir ces deux packages, Blender et HTTP. Généralement, quand on développe une application Shiny, on intègre, quand on a développé un modèle, on l'intègre directement dans une application Shiny. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de séparer tout ce qui est modélisation. Une fois qu'on a notre modèle, on va fournir l'information grâce à Blender. Et tout ce qui est réception d'informations, ça va être fait par HTTA qui va la rendre envoyé par Shiny. Donc, par exemple, on a une prod, là c'est tout ce qui est. Là c'est ça, c'est du R, du R, la communication, c'est un HTTP. L'intelligence, c'est de séparer le fond et la forme. Mais aussi, si on a dans notre équipe des collègues qui développent avec d'autres logiciels, donc on peut utiliser. Mais aussi, si on a une équipe IT qui développe à la suite des interfaces, elle peut accéder à l'information sinon pour autant utiliser. Donc, on va essayer de faire une démonstration. On a une fonction qui renvoie tout simplement du texte. Quand on va chercher la fonction, il suffit d'ajouter un verbe et un schéma pour que l'utilisateur puisse savoir ce qu'il fait. Ensuite, si on lance. Ensuite, on va l'utiliser dans le programme. Quand on veut, on va aller aussi dans les images. Quand on dit une fonction, je vais juste la unité 10, elle va générer un plot. Donc, c'est bon. J'ai passé les paramètres. C'est de la tête. Non. Point d'interrogation.
auto-simplement, je vais dire, il va utiliser la fonction. La fonction rigide à la force. Il va passer le terrain de maintenant, puis il va générer qu'un des objets qui sont envoyés. On suppose qu'on va développer un modèle. C'est la base des risques. Par la suite, on va partager entre les modèles. Comment partager le modèle quand elle s'est basée sur les risques, il va faire la classification. L'utilisateur final a donc les données sous cette forme. La forme JSON il peut déterminer quel espace appartient selon les variables qu'on a fait. C'est un modèle en fonction de ce que nous allons envoyer l'utilisateur. Pour le suivant de défense. Moi, dans ce cas-là, l'utilisateur final n'a pas un souci de ce qui se passe derrière. Alors, il y a l'utilisation. C'est un peu difficile à l'intérieur la maison page, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est utiliser du SPG. Supprimer simplement les billets. On va prédéfinir SPG bien dans la forme de commandement de tête. L'avantage d'un SPG, c'est que derrière, c'est du XML. Donc si je prends n'importe quel élément derrière, là c'est du texte. Je peux changer. Je vais prendre l'ID de ce package name. La valeur est la. Par la suite, avec le cadre, on va passer un paramètre. Ce sera le nom du package. Une fois que l'on a passé, on va faire appel à deux appelés, qualité pour avoir les données, les statistiques. En fonction des données qu'on a reçues, on va modifier les logements. Thank you.
pouvoir changer, même si tu juges un compte, mais le fait que le juge compte pour le JavaScript du SVG, on va l'intégrer dans les démarches. On va les démarches générées, on va convertir tout ça en crédit. Tu vois, c'est une autre utilisation. Pour tout le lecteur, comme je pense être distribué, maintenant, c'est pour visualiser la distribution de Python Package Lab. Vous avez permis d'utiliser l'intelligence sur un fichier. Gardez ce que vous avez fait. Sur un fichier, on ensuite va faire une requête. Sur un fichier, on va faire une requête pour notre serveur par le lien suivant. Je choisis le comme paramètre. On va dire box on va indiquer. Est-ouest, nord et sud. Donc voilà ce qu'on va faire. On va générer un autre fichier carnet qui va être transféré du utilisateur qui va être remplacé. C'est le cas d'utilisation de côté disponible. Je vais chercher une partie, on va lui expliquer ce que je pense. Une fois terminé, on va mettre en distribuer pour le diagramme. Tu vas dépasser trois fonctions, tu as un feature de résultat par fonction. En tant que serveur, à travers le protocole HTTP. Contrairement à ce que tu peux faire, c'est une fonction de les paramètres, tu as un feature, mais où il n'utilise pas R. Donc, quand il va te faire, il va cliquer les données, tu calcules, tu as un feature de résultat. C'est ça l'intérêt de l'équipe. D'accord. Une question, Christophe? Non? Alors, en fait, moi, je me pose la question de savoir, dans le cas où l'équipe, il n'y a pas des gens qui utilisent votre langage, ce qu'on a vu dans le schéma que vous avez montré au début, mais c'est intéressant quand on veut produire un premier journal d'application Shiny ou un dashboard, et qu'on a une équipe plutôt diversifiée qui utilise différentes outils. Dans le cas où tout le monde
plus élevé. Donc, une autre petite distinction qui se rencontre, donc, une autre distinction qui se rencontre, puisque la présentation est plus élevée. Ça veut dire aussi d'utiliser un peu la présence de l'intention stratégique. Par exemple, je suis déjà en train de passer une tâche. Ça sera toujours pour pas que tout ce que je vais. Ce n'est pas forcément technique pour des objectifs reporting. API généralement technique, c'est maintenant il y a au moins une couleur opérationnelle, mais les éléments de la data créée en quelque sorte. Donc c'est tout ce qui est IoT, etc. Les informaticiens savent très bien c'est quoi un REST API. Donc, on va dire un modèle de prédiction ou une analyse ou là, ou les fonctions que vous avez ou le vous les API en fait, vous met la HIP dans le HTML. Et les informaticiens, on va dire que derrière qu'il y a des machines les ramener chez nous. Ou tu es en train de faire de la prédiction. Ou à un moment donné, à la balle, ça va chauffer, il faut s'arrêter, etc. Donc, la DICAM peut s'automatiser via Planner. Donc, derrière tout ce qui est computation ou honor traitement de données ou des modèles scientifiques, ils se font via R. Et Planner permet de faire le lien avec les autres équipes qui font de la maintenance, etc. IT, etc. Donc c'est une façon de montrer, puisque il y a la critique à R par rapport au Python, surtout, il ne peut pas scaler, il n'est pas opérationnel, il ne s'intègre pas bien à l'écosystème IT, etc. Donc j'ai les solutions, Shiny c'est pour tout ce qui est dashboard et reporting, ça tombe la partie. Et Planner, c'est technique une tentative to bridge the gap entre ces deux mondes. Donc, celui qui travaille avec R, le cas facilement, il peut communiquer avec quelqu'un sur IT, etc. Technique service client, maintenant j'ai le numéro. Donc, le numéro est écrit via Planner. يدخل في الموديل تاعك يخرج له سكور يعاود يرجع له السكور هذا تاع الكليون فوالا وتقدر تقول له كيفاش يتعامل معاه ديالك فوالا دونك فوالا لو ديرني لا ديرني بريزونطاسيون تاعنا راهو صا صرا مع خونا نادير ما راهوش هنا نادر راهو في بوسطن نادر سنشرشر في هارفارد ميديكال سكول اون بيو ستاتيستيك اي سي لان دي اوسي دي زوتيليزاتور دو ار سان ديفلوبر اوسي دو باكيج اي لا بوكو ديكسبيريونس راح يفيدنا سيت ما تكونش لي يحب لي طوليت ولا هاي دي ار لا دونك لي باش Après, on a la pause déjeuner. C'était prévu, nous, on a des icônes maintenant dans le panel. Le problème, c'est que Marach icône parce que après la pause, il doit y aller. Donc, on en profite. Il va présenter. En même temps, on va lui poser quelques questions hors présentation. L'icône a rien posé comme dans le panel. Donc, le panel sera réduit. Donc les questions que nous allons poser au panel,
راح نبوزيهم لك دوكا اينفوا بريزونطاسيون تكنيك اوكي هاي داتا ديجا شويه تصيب تاعي كله اصبر تبع سي تاعك كله شويه عندك هانك ديالك So I will present two linear power
Armadillo and artificial item. And I will also present some of the ways how to use machine learning in RCPT. And that in other will be some additional resource. As we all know, R was created in 1993 as an extension of the text language created by IBM in the 70s. And two main creators were Robert Gentleman and Rod Tihaka, who were both statisticians. Gentleman is a doctor that is in statistics, and for Gentleman, he worked for BIOS competition, and he was the initiator of the BIOS Vector project, and he worked in different industries, and now he is the vice president of 23andMe. For Tihaka, mainly he stayed in the academic field, and he retired in 2017. After the release of R, R started to gain some momentum in the beginning of 2000, and this was done with the creation of the R code and the R foundation, which basically adopted R, and many scientists started to use R. Recently, R has seen an impressive growth. For example, from 2016 to 2017, maybe all the industries started using R, and maybe still mainly used in the academic field and the healthcare field. However, the problem is that there is a lot of people who like it, who don't like it. There is a big debate about R. So one of the strengths of R is that it's open source, so anyone can contribute directly, and also user friendly. So it's very friendly. So when you are extension, you will get results immediately. And it's very, very convenient to do statistical analysis. It has a lot of statistical algorithms. Also, they have a very powerful formula syntax, which makes the modeling or create the models very, very convenient. Also, it is extensible. We cannot, it enables you to to create additional graph systems, for example, GPT-2. It has great support tools. We can easily use it to handle data very easily, and it can be used in C or R, and many other features. However, the main weakness of R is that it is slow, and R is slow by design, because the design purposes of R wants it to be about the user, not about the computer. And this is one reason, and the other reason is that because R is badly designed, there are some parts of R that are, from a computer science point of view, are not very efficient. And the problem is, if you want to improve the extension, we will break down R, and it will be very hard to maintain R. So there is a way for us to rewrite R or maybe extend it. And also, it has an inefficient memory management, so all the objects are loaded into memory, also copying elements. Also, one of the problems of R is that it's single-threaded, so even if you have a powerful machine, R will suggest you want to use, unless you use some other packages such as Snow or other packages to do parallelism. And also, R borrows many ideas from different languages, which make it very hard to integrate them and make the language very ambiguous. R is slow mainly because it's an interpreted language. So, what is an interpreted language? In languages, we have many two families. One called interpreted language, in which they will execute line by line your code. Like they will take the one line and they will parse it, and then they will execute it. So they will not see what's coming next. So they don't know how to optimize the code. However, this is due, but the type of these variables
So they can optimize the code, and we make the execution and the memory management very efficient. So this is why R, also Python is a fantastic language, but maybe Python is a little bit more, from a computer science point of view, a little bit better designed, a little bit more flexible. So it's a little bit faster than R. This will actually lead us to jump into C++. But generally, I think before jumping into C++, it's better to first improve your R code. So it's better to exploit the visualization of R, try to avoid the problems, compute problems as much as you can. You can use the built-in functions of the R, for example, you can find the list of these functions by calling the built-in argument. You can pre-allocate memory. So if you know the size of your matrix, how many rows, how many columns, if you know the, how many columns, it's better to pre-allocate the whole matrix, all the vectors. Also, cache data. Try to use some better packages, for example, instead of data frame, to data table or simple. Spark matrix is used, remarkable package. Also, you can create some compiled code. For example, you can compile code using the compiler or the GIT package. And you can also profile your code using some packages such as MicroBenchmark, Arprof, and ProfSys. And also, you can use some other R implementations. For example, Microsoft, they have the Microsoft R Open, which is a multi-threaded version of R, which is like many times faster than the actual R version. So how can we optimize our code within C++? So, as we know, C is hundreds of times faster than R, and it can be faster like up to 200 or 300 times. So how can we call it powerful time? The good thing about time is that it enables you to extend like using C or Fortran. So there are three ways from the function. So we have the point C function, which is the most persistent and the easiest of standard function to call R from the first C from R. And the problem is that all the arguments need to be pointed. And also the return object should be provided as an argument. For example, here we can use the, for example, we have a function called my function. So we can call it within the point C function, and you pass your input, and also you pass your output, and then it will return a list, and your results will be one of the elements in that list. The other way is to use the call function, which is which will enable you to, it's more flexible version than the point C function. It enables you to use the R object. So it uses something called the S expression, which R referred to as the SDXP object. And it will return an unformed R object. So the code of this function, you just use call and then my function, and then the your parameter, your input, and it will return the output. Now, also, we can use the RCCP package, which is a high level C++ API, and it has the performance of C++ and the convenience of R. So, this would make it more convenient. And for example, here I'm comparing the three ways to call C from R. So, using the C function, for example, we have a function called addition, and we want to add x plus y.
So we should pass X, we pass Y, and also we pass the result as a, all of them as a pointer. And your function don't have the return type, so it should always be void. And this, your result will be modified by this. And then you need to, in the batch, you need to compile this, this code. And it will create a library, .so. So in R, you can load it using the dynamic load function. And then you can call it using the point C. And your function, your parameters, you also need to specify the type. And it will give you the result, and then you can get your result. For example, the addition of 10 plus 20 will give you 30. The other way to do it is using the call function. So if we take the same function, so we need to first specify that we have an output. Our input will be X and Y. They are all of S type, they are S kind of expression. But the problem with this, or this way is that the character selector does not know which variable are loaded in memory, which variable are not loaded in memory. So before, when you have a variable, you need first to protect it. And allocate, like you need to protect it and allocate from space in memory. And then our result will contain the X and Y. And then when you are on, you need to move our variable that's anymore, and then you return it. And then if you want to use it, you first use the R command, and then we load it using the dynamic load. And then you can call it back using the .call function. So as we can see, both of these two functions are very kind of very scary. When you look to the code, it's very hard to understand. So RTCP provides a kind of a more intuitive way to call a C++ code. So what you need to do is that, for example, if we create five here, we call it R3.cpp. You just need to include the RTCP header, and here we call the RTCP namespace. And then you just pass your variables, like TNTX, TNTY, and it will return X.Y. And this needs to use the RTCX for the function to indicate that you want to use this function in R. And then you can just compile your code using the CPT function. And then directly call your function. So your function name in R will be the same name as the function in C. So the other flexibility is that RTCP defines a lot of variables that you don't need to use the S expression type. So here I'm just using integer, but if I want to use more complex structures, for example, data frame or logical vectors, you can use more types. For example, in RTCP, for a numerical vector, you can use a logical vector, an integer vector, numeric vector, complex vector, and for date and time, you can use also base vector, and you can even use expression. And you can then use more complex data types, such as data frame. In RTCP, it's also called data frame. This is called this. You can manipulate the S3 or S4 objects. So it's very convenient. It's basically the same R syntax, but with C++. So how to install? What we need to make RTCP work. If you are in Linux, basically you have no problem. You already have the C++ compiler. Just make sure that you have one of the newest versions. And also can use some other compilers, as the LLVM compiler or the Intel compiler. And definitely, I think C++ is enough to do that. If you are in Mac, you need to install the Apple developer tool, which is Xcode. It's called C++
Unisys for the R tool, which will solve all the necessary requests for cooling. And to check if your R tool installation was okay. So you can use the master tool package and call the find R tool function to check if R tool is properly installed. And then, after installing your C++, you just need to install the RTP package using the normal info package function. So how can we call an RTP code? How can I load my RTP code into R? And mainly there are four ways to do that. So the first way is using the evaluate RTP function. So this evaluate RTP function is mainly can just evaluate one single C++ expression. And it's not really useful. Like basically just use it to check if your RTP installation works. So for example, you use the RTP and you create a numeric vector with the numbers 1 to 5. So it will return this symbol. But basically, you don't use it. And the other way is to use the CTP function. So for the CTP function, I'm going to say, and you just don't need to put your code in a file, you just need to put it in a variable in R. So I will show some examples later. And we can also use the proxy CTP function. So if you have a very complex C++ code, you put all your code in a file, like you put in an external file, and then you can just directly call the So, and the fourth way is to create a package. So, when you create a package, you can put your RTP code in the SRT code. So, how can we use the CPP function? So, you need to define your C++ code in a string. And the CPP function will take that code. So then we'll compile it into C++, and it will also give you a function that has the same name as your C function. For example, here in R, I define a function to find to check different number. I give it a vector of numbers, and it will check if number what are the prime numbers in this vector. So basically, I just apply for each element of n. I will apply this function, so I'll check if it is true, so it's fine. And if it is divisible by any number from 2 to the square root of fine. And in C++, what I will do is use the simple function. First, I need to define my function, so it is prime to be. And it takes an integer vector as a parameter and return a logical vector. So so first I define my output, which has the same type as the input type. And then for each element of x, for each element of x, if it is 1, it's called the prime number. And then I will check all the numbers from 2 to the square root of n of each element. And if it is divisible by any of these elements, it's not a prime number, otherwise it's a prime number. And then I will, like all these source codes, I will just call the CTP function to compile. And I can also check that this function works. So if I check if this R version is equal to the C++ version, and they give me the same result. So basically, they're going to give me the same result, so it's the same implementation. And to check if my code is performing any better, so we can use the micro benchmark package. So I will pass my R function as I will call it prime R, and this one I will call it prime RCPT. And this micro benchmark will run my function 100 times. And we can see like the median execution time of the R version is basically like 20 times slower than the
CPP function, even if our CPP function is very little bit longer, but it runs much more faster because they are also still have a lot of, like we have a lot of work to do before calling the function, so which makes it very little bit slow. The other way to do it is to call the source CPP. So the previous code was a little bit long. So for example, I was specific to two functions. So for each element, I will call a function to check if it is prime or not. So what I will do is check prime, I will define a function called check prime, which will take the whole vector as input. And for each element, I will just call this, I will call this prime function to see if the element is prime. So basically, my code can be simplified in this way. So I will take the input x, I define the output, then for each element, I will check if it is prime. So this prime function will basically just implement the same code that we used before. And if I compare the R version with the CPP function version and the source CPP function, we can see like basically I gained more time compared to the prime CPP because when you are calling the CPP function, the CPP function is that will also add some header. But because now I define my function in a file, so I have more control on which headers I want to use. Like I have my own logic, so it's a little bit faster. The other way another good way is to also use the C++ 11, which is the new standard for C++, released in 2011. We just need to add the RCPP plugin and we call the CPP 11. So the CPP 11 has a little bit more easier syntax. For example, here, instead of having the for loop, it will have a syntax similar to C++. So basically, I will, for each element of it, and here the type will be automatically determined, and I will call for each element, I will call the isPrime function, which is the same as previously. And in terms of performance, basically, it's kind of the same performance as the calling from the code. So basically, you can use the C11 function to, it's more easier to write and maybe to read. So many people are interested, because we deal with data types, we deal with data, so basically our data is generally in the form of data frames. So how can we use the data frame to, in C++, we have a type of data frame. So for example, we want to define a function called isPrime, but instead of returning a vector, we want to return a data frame. So we call our previously defined function, we get the result, and we define the data frame. So for the call name, you have two ways to do it. You can call the RCPP name function and give the name to your call, or you can write it in this way. It's the same way to write the same thing. And if we call this function, we'll get a data frame. And in RCPP, data frames in reality, they are lists of lists, or vectors of vectors. So basically, we can do the same thing. We can define another function in which we call this prime on our input, we get the result. And instead of creating a data frame, we can create a list. So like list create, get your first element, second element. And then what we need to do is we need to add attributes. And we can specify the row name, and we can row name. And we can specify the attribute, which is the frame attribute. Why do we need to do this way and not the first way? So the second way, or use a list, when I'm worried about
applications, right? Don't know how many columns you have, or you want to balance the statement, or you can also use the list impact to more easily, it's easier compared to the data plane, right? It's more flexible. Basically, we just depend on. RTTP enable you to use some RTTP as some R-like memory. So they call it sugar RTTP. So which will make if you are familiar with R, so it's easier to maybe use the RTTP to use some R-like functions from RTTP. For example, RTTP defines some functions such as the L, very similar to R, the LN function. For statistical distribution, you have all the different types of statistical distribution. If you want to use the apply function, you also have access to some apply functions such as the apply, L apply, M apply, and also all the familiar functions like the absolute value, square root, all the functions that you are familiar with. And there is a complete list in this website, so you can check it, which will make it very easy to write your C++ code in an R syntax, which will be very easy. I think the second, the most important part maybe is the math library, because it's, I think, one of the main purposes of using RTTP. So RTTP gives or provides an extension or provides an extension to some C++ linear algebra libraries. For example, the Armadillo C++ library. So this package is called RTTP Armadillo. It can directly be installed from the kernel. In your code, you just need to specify RTTP detail and RTTP Armadillo. Here I'm showing some of the similarities between how to translate from R to RTTP Armadillo code. For example, to call the, in R we write the number of n rows of A. So in Armadillo we will call the A dot n rows. The same thing for column, A dot n column. If you want to create a zero element matrix, you can just call a zero KK as it specifies the number of elements of your matrix. You can do the R bind using the join row function, the C bind function using the join column function. You can get the header using the head. You can get the diagonal of text using this function. You can get the determinant of text calling this function. And you can do some matrix decomposition, such as the Humphrey decomposition. In R, you write short text, in R, Armadillo is the same. If you want to solve a linear system, you can call solve x. Here, if you want to find the inverse, you can just call the inverse. Or maybe solve also a linear system using x equals, like solve AD, the same thing for Armadillo. And you can do a CD decomposition. Basically, the syntax is very similar. Let's showcase how to use the RTTP Armadillo. I will present an example of SVD decomposition. SVD is already available, the function SVD is already in Armadillo and R. Just to implement it from
So, you have, and then I use micro benchmark
So I call the R version, I call the CTP function, and we can see like that the CTP function is like about 12 times faster than the R version. So which indicates like which showcases how C++ helps you improve your calculations, actually with math function. Another library is called the RCP icon. So RCP icon is a kind of a little bit more fast, so seems that it's more powerful than RCP icon. I don't know. It's also on the sequence of library called icon. And you can link to the container, you just need to specify that your code is on the RCP icon. And also, the RCP icon defines different functions that corresponds to some R object. For example, matrix is B class, corresponds to numeric dimension. Matrix is I class, corresponds to an integer matrix. You can also have some vector, for example, vector is B, which is a numeric vector in R. Integer vector, also, and vector is I. In icon, you can also. Allô. Désolé, la connexion est basse. Oh, je ne peux pas. Tu as partagé le. C'est bon. Nadir. Ah. Il reste 5 minutes pour la présentation et on passe aux questions. À quelle heure? And then do the same, and return u, v, and z.
compare with if you compare with the RPPC armadillo, we can see like it's a little bit faster, like about twice faster, like 2 times faster than RPPC armadillo. So basically, this is it for computation. The other way is to use RPPC in a package, by creating a package. So you can create a package calling the RPPC package. So it will create a kind of a package structure for you. Your code will be in the PPP code. And RPPC also will automatically generate the RPPC export. And if you are using RPPC Armadillo, you can just call RPPC Armadillo package skeleton. And RPPC item can also have the same thing. So, small machine learning example. So there are many libraries that use RPPC to do machine learning. For example, the Shark C++ library for RPPC Shark, ML++ library with RPPC ML2, Dlib, and other libraries. And here, for example, I'm using a naive Bayesian classifier using the ML5 package, so the same, I just need to include the header. And then I need to specify that it depends from the ML5, and then include the naive Bayesian classifier header. So we will have two functions, one function called train to train the data, and one function called classify to do the prediction. So for the classifier, I just for learning, I just need to give him the training data on the label to return the model. And then for the prediction, I will just call the function called the classifier, which will return the result. And for example, if we use the iris data set, so we just use these four columns as our input, and this is our output. And we prepare the data, we like get the training set and the testing set. And then we can compare, first check if our model works. So we call first any function, we give it our model, and then we call the classification function. And we can set our confusion matrix, basically, like prediction is very good, just about one like the error. And our accuracy is about 96%. We compare with I think you can read my PPT app. If you compare with the 9-bit connection from the UE 1071 package, so we just create a model in this package and create our model. And we do prediction, so we call the micro benchmark. So we predict using this package, and also we can predict using our C++ code. And we can see that basically we have about 57 times kind of increasing, which is, I think, amazing. Just for additional results, if you are interested, you can check the RPPC website and some other, like the Advanced R website, and you can. They are from learning RPPC notes from someone who was learning RPPC, and this note is very useful. And the unofficial documentation and also. So, yeah, thank you. Thanks. Bon, je ne sais pas s'il y a une question. S'il n'y a pas, là, je vais poser la question. Bon, concernant la présentation, il y a beaucoup de gens parmi les utilisateurs d'AR qui ne sont pas vraiment donc des programmeurs de C++. Par contre, ils peuvent voir il existe des implémentations pour des algorithmes, par exemple en C++. Et ils veulent que ces algorithmes ils soient implémentés là. Est-ce que tu penses que
ces gens-là, juste en étudiant la documentation, ils peuvent faire l'implémentation. Donc, ils prennent le code qui m'a l'air, parce qu'il existe déjà, ou ils l'importent à R via RC++ ou les autres librairies. Oui. Tu penses que c'est difficile pour eux, ou là, qu'il y a des connaissances basiques, ils peuvent les apprendre, ou bien, une fois le code il existe déjà, ils peuvent donc l'implémenter. Je pense que ça va bien sûr contribuer à la même une connaissance basique par ce que c'est, par exemple, je m'en ai un des pointeurs, qui reste le corps, la syntaxe par ce que c'est, par exemple, le point d'arrivée, le point d'arrivée, définir le type par la variable amicia, par exemple, le hard code, we don't care which not as variable that they got the string, but that is the number. Anna, je parle d'un code déjà existant. Donc, par exemple, existe sur GitHub ou là, C++. Mais là, ma fonction compte sur R. Donc, je n'ai pas réécrit. L'import stack, l'entry point, C'était prévu de courir avec nous dans le panel, mais apparemment, docteur, je pense avec 10 minutes, donc on en profite pour vous poser quelques questions, beaucoup plus sur le parcours et l'utilisation des techniques de data science dans les recherches. Donc, il faut atteindre brièvement le parcours ou